Est-on méchant juste seulement parce qu'on est malheureux? Introduction, oui. Grand A, oui, bah oui, le malheur engendre la méchanceté. Les gens méchants, c'est les gens qui ont été malheureux, ça se voit sur leur gueule. Hein, les gens méchants, la plupart des gens, on voit sur leur tronche, hein, ils n'ont pas eu de chance. Et plus encore, grand B, il n'y a que le malheur qui fait la méchanceté. Autrement dit, et c'est là où on doit absolument passer, il faut pardonner aux méchants. C'est quand même ça l'idée du sujet. Est-ce que c'est que le malheur qui fait la méchanceté? Bah, si c'est oui, bah, faut y ait question de pardon, quoi. C'est pas de leur faute, en fait. Voilà. C'est pas de leur faute. Ok. Maintenant, on va aller à la ligne, on va dire pourtant, on va faire la thèse inverse. Si on fait pas la thèse inverse, il n'y a pas de problème. Si on dit, ouais, ça dépend des gens, blablabla, il n'y a pas de problème. Il faut faire un problème. Donc, pourtant, les gens heureux peuvent parfois être méchants. Je vois deux raisons. Je vois deux occasions pour les gens heureux d'être méchants. Et donc, tout le mal ne vient pas du malheur, puisqu'il y a des gens heureux qui font le mal. Donc, on est bien à la thèse inverse. Donc, pourtant, il y a des gens heureux qui font le mal. Je vois au moins deux causes à ça. Première cause, bah pour essayer, juste pour essayer. Juste parce que même si vous êtes heureux, il y a un moment, vous avez envie de faire mal à quelqu'un, pour voir ce que ça fait. Enfin, juste pour voir ce que ça fait. C'est pour ça que ça n'existe pas les gens innocents. Ça n'existe pas les gens innocents. C'est-à-dire, tout le monde sait ce que c'est que faire le mal. C'est-à-dire, tout le monde l'a fait. Ou tout le monde veut le faire. Ou tout le monde y rêve. Et tout le monde l'a fait à un moment donné. Ne serait-ce que pour essayer. Donc, premier contre-exemple, hein, premier problème, qui n'est pas encore une remise en question du grand 1, qui pourrait être une exception. On va creuser, on va voir que c'est plus grave. Donc, on peut faire le mal en étant heureux. Pour essayer. Et deuxièmement, éventuellement, sous le coup de l'émotion. Sous le coup de l'émotion, par exemple, je sais pas moi. La vengeance, justement, la colère. Alors on a dit en grand A, du grand 1, la colère, en fait, c'est un malheur. Mais on va voir que l'émotion peut nous aveugler et tout heureux qu'on est, faire des choses qu'on regrette. Et donc, le bonheur peut faire le mal. Plus encore, faire du malheur la cause du mal moral, c'est déresponsabiliser les gens. C'est bien ce qu'on a dit en grand B du grand 1. Faire du malheur la cause du mal, c'est déresponsabiliser les gens. C'est-à-dire, c'est pas la faute des gens. Donc c'est peut-être juste d'un certain point de vue. Encore une fois, d'un point de vue chrétien, par exemple. Pardonner aux méchants en disant « Ah, il sait pas ce qu'il fait, il est malheureux, blablabla. » Ça peut être bien d'un certain point de vue, mais en déresponsabilisant les gens, problème social. On ne peut pas pardonner à un violeur, on ne peut pas pardonner à un cambrioleur, parce que sinon tout le monde est violeur, tout le monde est cambrioleur. Donc, déresponsabiliser, ça pose problème, socialement. Mais ça pose aussi problème, moralement. Parce qu'au fond, c'est dire que le méchant n'est pas responsable de lui-même, que le méchant n'est pas libre. Donc il n'est pas vraiment méchant alors, s'il n'est pas libre. Donc ça pose un double problème en fait, c'est que la méchanceté elle disparaît, et deuxièmement, ça réduit la personne, ça en fait quelqu'un d'inférieur, puisqu'il n'est pas complètement libre. Et par ailleurs, qui va juger? Au fond, on aura une humanité coupée en deux, quoi. Une humanité libre et bonne, et une humanité méchante et pas libre, qui serait évidemment inférieure. Ça pose problème. Ça sera le grand B. La question de la déresponsabilisation. Ok, donc là on a une intro, d'accord? On a deux thèses consistantes qui posent chacune une thèse contraire à l'autre. Un grand 1, c'est que le malheur qui fait la méchanceté. Grand 2, primo non, il y a des gens heureux qui font le mal. Et secondo, c'est pas une thèse qu'on peut soutenir socialement ou même moralement. On peut la soutenir individuellement, mais elle a quelque chose de, justement, pas complètement rationnel, pas complètement raisonnable. Elle tient à la foi. Pourquoi pas? La foi, c'est bien, mais enfin, c'est, voilà, on ne peut pas l'argumenter rationnellement. Ok, donc trois étoiles, grand 1. Premier temps, le malheur crée le mal, et le mal est une incapacité d'être heureux. Donc on va parler d'impuissance. On va parler d'impuissance, et on va voir que cette impuissance, elle peut générer de la haine.
Et qu'au fond, il y a toujours une part de haine dans les gens, dans les gens méchants. C'est pour ça qu'ils pensent que leur méchanceté est justifiée d'ailleurs. Regardez les terroristes. La haine qu'il faut pour faire ce qu'ils ont fait. Et donc cette haine font que quand ils agissent, ils pensent qu'ils ont raison. Et ils sont, alors ils ont peut-être un peu peur, hein, pour ça qu'ils prennent des produits, mais ils pensent qu'ils ont raison, parce qu'ils ont la haine. Et donc ils détruisent ce qu'ils détestent. Et d'une façon, moins par moins, ça fait plus. Bon. Il y a une part de haine, il y a une part d'impuissance et d'humiliation. Bon, ok. Donc, premier temps, le malheur, ou plutôt, la méchanceté, comme j'ai dit en intro, c'est une très belle formule, enfin que je reprends bien sûr à Clausewitz, hein, c'est pendant qu'il a créé cette formule au départ, à savoir la guerre, la continuation de la politique par d'autres moyens. La méchanceté est la continuation du malheur, par d'autres moyens. Bon, bah, petit 1, on va dire, qu'est-ce que c'est le malheur? Qu'est-ce que c'est la méchanceté? Et puis on va dire ici en petit 2, pourquoi l'un est la continuation de l'autre. Vous voyez que dans le grand A, on définit les termes de sujet. On va dans le sens du sujet. On dit oui, on est d'accord, cette phrase elle a du sens. C'est le malheur qui cause la méchanceté. Et on explique pourquoi. Donc c'est vraiment la fondation de notre travail, le grand A. C'est le moment où on développe les différents éléments, les différents matériaux qu'on va ensuite élaborer, étage après étage. Ok, donc petit 1, bah de quoi on parle? C'est quoi le malheur, c'est quoi la méchanceté? Donc petit 1, qu'est-ce que ça veut dire être méchant, qu'est-ce que ça veut dire être malheureux? Donc être méchant, ça veut dire quoi déjà? Faire le mal, c'est-à-dire faire souffrir les autres. Mais encore une fois, le médecin, il fait souffrir son patient. Pourtant, il n'est pas méchant. Nuire à quelqu'un. D'accord. Donc c'est pas le faire souffrir. Tu peux le faire souffrir pour son propre bien. Par exemple, punir un élève, c'est pas faire le mal. Si c'est pour son bien. Ou pour le bien de la classe. Donc c'est nuire, effectivement. Donc ça voudrait dire quoi, nuire un élève? Nuire un élève, c'est pas le punir ou même le sanctionner. Par exemple, l'exclure 48 heures. Ça, c'est pas lui nuire. C'est ça pour son bien. Donc effectivement, on pourrait dire le mal, c'est nuire aux autres. C'est-à-dire leur faire du mal pour leur faire du mal. Ou même leur faire du bien pour leur faire du mal. Comment c'est possible de faire du bien pour faire du mal? Pas possible. Mais on va lui donner pour faire plaisir, mais alors c'est vraiment pour s'en sentir. Voilà, exactement. Tu donnes du sucre à quelqu'un qui va être malade à cause du sucre. Mais c'est compliqué là, c'est compliqué. On se demande juste qu'est-ce que c'est que faire le mal. On dit c'est nuire à l'autre, c'est-à-dire lui faire du mal pour lui faire du mal. Un méchant, c'est quelqu'un qui nuit aux autres. Voilà. Et dans cette définition, donc c'est pas faire souffrir, parce que tu peux faire souffrir pour le bien. Dans cette définition, il y a nuire aux autres en les faisant souffrir, mais il y a aussi nuire aux autres en leur faisant du bien. Tu peux faire du bien aux autres pour leur nuire. Est-ce que ça vous intéresserait un petit peu de cocaïne, comme ça, juste pour essayer. Discretos, vous en parlez pas. J'en ai là, je peux vous en donner un peu, si vous voulez, comme on se connaît. Bon, bah, la cocaïne, c'est très bon. Bah évidemment, c'est excellent, c'est sublime. C'est pour ça que les gens en prennent. De même, vous pouvez coucher avec quelqu'un en ayant le sida. Bien. C'est ça, la méchanceté. Bref, c'est une souffrance, c'est infliger une souffrance non nécessaire, une souffrance injustifiée. Soit à court terme, vous faites souffrir l'autre pour rien, soit à long terme, vous lui faites du bien pour qu'à long terme, il souffre, en fait. Si on fait le mal sans le vouloir, est-ce que ça fait de nous quelqu'un de méchant? Par exemple, je ne sais pas, vous faites un plat, il y a des cacahuètes dedans, à quelqu'un qui est ultra allergique aux cacahuètes, mais vous ne le savez pas. Est-ce que ça fait de vous quelqu'un de méchant? Vous êtes sage-femme et vous accouchez quelqu'un avec les mains sales. La personne, elle meurt. Mais vous ne le saviez pas. Vous ne saviez pas qu'il fallait se laver les mains. Est-ce que ça fait de vous quelqu'un de méchant? Imagine, tu accouches, la sage-femme, elle ne s'est pas lavé les mains et tu fais une infection et tu meurs. La sage-femme, elle n'est pas méchante? Elle ne savait pas. D'ailleurs, je ne savais pas qu'elle s'est lavé les mains. Est-ce qu'elle est méchante? Bah oui, elle est méchante.
D'ailleurs, tes parents, tes amis, ton mari, ils vont porter plainte. Et elle va prendre cher. Pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas. Responsable, mais pas coupable. C'est ça que tu vas nous faire? D'accord. C'est pas intentionnel, mais il y a une faute. Il y a une faute non intentionnelle. Par exemple, vous roulez sur l'avenue Trudel à 150 km/h et vous renversez un gosse. Vous l'avez pas voulu. Vous l'avez pas voulu. C'est con, c'est juste con. C'est con. Donc les parents vont dire, ah bah c'est con. C'est con. T'es mort. J'ai un gosse, il est mort. Il a été renversé par un mec qui fait 150 avenue Trudel, c'est limité à 30. C'est con. Ah bah c'est con. Il n'a pas voulu, c'est con. Allez, ciao. Longue vie. Alors, c'est plus que de la connerie. Dans le cas de la sage-femme et dans le cas du chauffard, c'est plus de la connerie. C'est une faute qui n'est pas caractérisée, qui n'a pas pour cause une intention, effectivement, mais qui a pour cause un non-respect de la loi. Un non-respect de la loi, un non-respect du souci minimal de l'autre, dans le cas de la sage-femme. On peut imaginer que, par absolument des circonstances incroyables, personne ne lui ait jamais dit qu'il fallait se laver les mains. C'est juste évident, quoi. Enfin, il faut quand même vraiment pas du tout faire attention pour pas se rendre compte que tout le monde se lave les mains, que tout le temps, que la base de l'hygiène, que Pasteur, que les microbes, que machin, je veux dire, c'est une évidence qu'il y a partout. Il faut vraiment pas faire attention. Donc, dans le cas de la sage-femme, il y a l'absence du souci minimal de l'autre qui est une faute, qui fait qu'elle est absolument coupable. Il y a une négligence, qu'on appelle une négligence. Et dans le cas du chauffard, bien sûr, il y a une infraction de la loi. Donc il écrase, bien sûr, parce qu'il va trop vite. Pourquoi il va trop vite? Parce qu'il a enfreint la loi. Donc c'est pas seulement la connerie. C'est soit de la négligence condamnable, soit un crime direct, hein, qui est de ne pas respecter les codes de la route. C'est intéressant. Mais imaginons, c'est un hôpital aujourd'hui, moderne, juste, ça arrive. On va s'intéresser à la sage-femme. Mais ta remarque, ton objection, elle est tout à fait correcte. Et effectivement, la sage-femme sera peut-être couverte par l'administration. Mais pas sûr. L'administration peut dire, attendez, c'est elle qui n'a pas respecté les règles minimales de l'hygiène. Donc c'est elle qui est coupable, c'est pas moi. Elle a passé son examen, elle a eu son entretien, l'équipe la supervise, bon, juste ce jour-là, voilà. Donc, on ne rentre pas dans cette analyse, mais elle est tout à fait, bien sûr, cohérente et intéressante. Donc, est-ce qu'on est méchant quand on ne veut pas faire le mal? Oui et non. Non, quand tu n'as pas d'obligation, c'est-à-dire tu fais un gâteau, il y a des cacahuètes dedans, l'autre, il s'étouffe parce que c'est à lui de faire attention. Toi, tu n'es pas supposé savoir. Tu ne pouvais pas savoir, c'est pas ton rôle de savoir. T'es pas médecin, t'es pas sage-femme, t'es pas. Donc là, t'es vraiment pas du tout responsable. Donc imaginons, effectivement, tes causes qui meurent, le mec, mais c'est pas du tout ta faute. Donc là, t'es pas méchant. T'es ni méchant ni responsable. Dans le cas de la sage-femme, il y a une faute morale. Et dans le cas du chauffard, mais il n'y a pas forcément de méchanceté. Dans le cas du chauffard, il y a un crime. Et j'aurais tendance à dire qu'il y a une méchanceté. C'est-à-dire que même s'il ne veut pas tuer les gens, il sait très bien qu'il risque la vie des autres. Donc, s'il prend ce risque, c'est un cas qui n'est pas dans la sage-femme. La sage-femme, si, imaginons, elle ne sait pas qu'il y a les microbes, elle ne sait pas du tout qu'elle risque la vie des autres. Celui qui roule à 50, il sait très bien. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de méchanceté dans la sage-femme, il y a une faute morale grave. Dans le cas du chauffard, il y a une méchanceté. Même s'il n'y a pas l'intention de tuer, il y a une méchanceté parce qu'il y a le fait qu'il prenne le risque, un risque très, très présent, de tuer les autres. Donc, est-on méchant quand on fait le mal sans le vouloir? La réponse est non, sauf dans le cas où il y a une obligation, la sage-femme, dans le cas où il y a un risque qui est pris sciemment. De la même façon, vous réparez votre toit,
Vous réparez votre toit, vous laissez tomber une tuile qui tue quelqu'un. Alors quoi? Est-ce que vous êtes le chauffard ou est-ce que vous êtes la sage-femme? Ou est-ce que vous êtes encore un autre cas de figure? Alors, entre les deux, parce que quand vous réparez votre toit, clairement, légalement, vous avez une obligation d'établir un périmètre de sécurité, c'est évident. Je veux dire, c'est évident que vous réparez votre toit qu'il faut que personne passe en dessous. Ou que, par exemple, quand vous faites des échafaudages, l'échafaudage, il est fermé. Vous savez, vous avez un tissu hein, qui empêche que les choses tombent. Donc, vous avez une obligation légale de faire attention, et deuxièmement, vous devez savoir, ou vous devez prévoir, vous avez une obligation d'attention aux autres, une obligation de précaution. Donc vous êtes un peu dans les deux cas. À la fois chauffard, vous prenez des risques et vous le savez. Et si vous ne le savez pas, vous êtes dans le cas la sage-femme. Ok. Bien. Ça, c'est la méchanceté. Maintenant, c'est quoi le malheur? Oui, mais malheur, tu vois, dans malheur, il y a bonheur avec un mal devant. Donc si tu sais ce que c'est le bonheur, c'est le malheur, c'est l'absence de bonheur. Ou le contraire. Tu n'es jamais allé sur la Lune, tu sais ce que c'est que la Lune quand même. Connais le mot. Bon, alors c'est quoi le malheur? Pas trouver un sens à sa vie? Ça c'est le malheur, non, ça c'est bonheur, c'est juste être un bobo parisien. Non, le malheur c'est de se faire tirer dessus au Bataclan, ça c'est le malheur. En même temps, ça dure pas très longtemps. Mais enfin, voilà. Les gens qui sont aux terrasses en buvant un verre en disant j'ai pas de sens à ma vie, ils me semblent moins malheureux que ceux qui se font tirer dessus. Ou là, ils sont malheureux quand même. Ou imaginons, tu te fais tirer dessus et puis tu es sur une chaise roulante. Après, c'est atteint à moelle épinière, blablabla, putain. Ça, c'est le malheur. C'est plus malheureux que de ne pas avoir été touché. Remarque, tu peux avoir un sens à ta vie en étant sur une chaise roulante. Alors, tu peux boire des verres aux terrasses et puis à un moment, tu te flingues parce que vraiment, ça n'a pas de sens de boire un verre aux terrasses. Enfin, si tu as le choix, tu choisis quoi? Boire un verre aux terrasses ou être sur une chaise roulante? C'est le choix. Ah, t'es un peu de mauvaise foi, là. Ouais. Mais quoi qui nous est imposé? Quelque chose qui nous nuit, d'accord. Physiquement. Par exemple. Alors, les trisomiques, est-ce qu'ils sont malheureux? Tu vois plus. D'accord. Ok. Donc, on va dire, le malheur, la première définition, c'est... effectivement, une incapacité ou une souffrance. La souffrance, aussi. C'est quand même le truc le pire, c'est souffrir. Par exemple, avoir mal aux dents. Alors, si tu as mal aux dents très très fort, tu préférerais être mort. La souffrance peut se sexualiser sous la forme de sadomasochisme. Mais te faire arracher les ongles, te faire crever les yeux, il n'y a personne qui aime. Hein. Imagine, on te chope et on te torture. Jusqu'à la fin de ta vie, on te torture. Ça, je dirais, c'est le pire qui puisse arriver en fait. Voilà. Bon, ça consiste en quoi? Ça consiste en souffrance physique. Donc, je pense que le pire, c'est la souffrance physique. Ou c'est un des pires. C'est à 2-3 pires quoi. Si c'est à 2-3 pires, c'est dans le top 5 quoi. Perdre ses enfants. Être sur une chaise roulante. Devenir aveugle. Pas se sentir aimé. Bah, je te souhaite que ça reste ton top 1 jusqu'à la fin de ta vie, ça veut dire que tu ne seras pas trop malheureuse. Parce que ne pas être aimé, ça c'est juste la réalité. Hein, ce que je veux dire, c'est que tu le connais tous les jours, le fait que tu n'es pas aimé. Non mais, tu as une vie où l'essentiel de ta vie, l'essentiel de ta journée, elle se passe dans autre chose que de l'amour. Tu ne passes pas ta journée... comme passe par exemple un nourrisson qui est dans les bras de sa mère qui lui donne le sein. Où là, effectivement, il y a une sorte d'émerveillement constant. Donc là, le nourrisson est là. Bon, il n'en peut plus. Il est hyper content. Ta journée, c'est quand même te lever le matin avec ta sale gueule, bouffer, faire la vaisselle, aller en cours, te faire à moitié engueuler, rentrer chez toi, faire tes devoirs, puis te coucher. Qui t'a aimé? Qui t'a aimé entièrement? Alors. Elle fait un trou dans la roche. Donc la goutte d'eau, elle te fait un mal physique. Tu aimerais qu'elle ne tombe plus. Donc ça, c'est pas psychologique. Psychologique, ça veut dire que c'est ta pensée qui crée la souffrance. Là, c'est pas ta pensée, c'est la goutte.
Donc souffrance psychologique, deuil, échec, handicap, perte. Voilà. Allez, 5. Voilà. Ça, le malheur. Vous voulez le contraire de ça. Vous voulez le plaisir, vous voulez avoir plus de puissance, vous voulez réussir les trucs que vous faites, vous voulez avoir des gosses, avoir de nouveaux amis. Enfin, c'est tout le contraire. Deuil, perte, souffrance. Bonheur, malheur. Voilà. Et des amours. J'ai oublié des amours. Vous voulez être aimé par encore plus de gens. D'où Justin Bieber. Bieber, comme on dit. Justin. Je sais pas, j'ai jamais entendu son nom. J'ai juste lu dans des articles. J'ai pas la télé. Non, donc j'ai jamais entendu prononcer son nom en fait. Pourquoi c'est pas possible? Bien, donc conclusion. Le malheur peut amener à vouloir nuire aux autres pour deux grandes raisons. La vengeance, la jalousie. Pourquoi ? Parce que la vengeance, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, mon malheur, il vient de l'autre. Voilà pourquoi le malheur entraîne la méchanceté, parce que je pense que le malheur, il vient de l'autre. Du coup, je vais me venger. Par exemple, un mec, un des terroristes m'a mis sur une chaise roulante en me tirant dessus, bah, j'ai envie de me venger. Donc, je vais prendre ma chaise roulante, je vais aller en Syrie, je vais tous les tuer. Je vais être méchant, je vais être très très méchant. Deuxièmement, la jalousie. Eh ben, clairement, c'est l'échec. J'échoue quand d'autres réussissent. La jalousie, c'est proche de l'envie. C'est l'envie, là. C'est plutôt l'envie. Parce que la jalousie, c'est plus sur une personne. Un jaloux d'une personne. On peut être jaloux du statut d'une personne, on peut être jaloux de sa réussite. Mais effectivement, la jalousie, c'est plus personnalisé. Par exemple, j'ai une maison, mon voisin, il y a une plus grande vie de la propriété. Voilà, sans inférieur, tout à fait, sans inférieur. Donc c'est ça l'échec, en fait. C'est pas tellement l'échec qui nous fait de la peine, c'est l'infériorité. D'ailleurs, pour ça que... Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à l'échec. Les gens ne sont pas sensibles à l'échec. Les gens qui ratent, voilà, ils recommencent. Ils ne sont pas sensibles à l'échec, c'est les gens qui réussissent, paradoxalement. Alors que les gens qui sont détruits par l'échec, ils font la tête, ils se vexent, ils ont envie de se tuer, bah, du coup, ils ne recommencent pas. Ils disent, ils prennent pas le risque d'échouer, et donc ils échouent, ils ne réussissent pas, parce qu'ils s'arrêtent en chemin. D'où les parents qui disent aux gosses, « Ah, mais qu'est-ce que c'est beau! Ah, mais qu'est-ce que c'est bien! Ah, mais ton caca, comme il est bien moulé! Ah !» Et donc, non mais, alors que vos dessins, ils sont pourris. Ce que vous faites, c'est pourri. Mais vos parents, ils vous ont dit, « Ah, c'est bien. » Pourquoi? Pour faire prendre confiance en vous, et que quand c'est pas bien, bah, finalement, vous soyez quand même content. Parce que du coup, vous allez refaire, et vous allez finir par faire bien. Et c'est à force de faire de la merde que vous allez faire bien. Mais il faut faire beaucoup de merde avant de faire un truc bien. Et donc, il ne faut pas être dissuadé par l'échec. Si vous êtes dissuadé par l'échec, vous n'allez pas y arriver. Vous allez arrêter. C'est pour ça qu'on veut supprimer les notes. On veut supprimer les notes parce qu'on dit ceux qui sont bons n'ont pas besoin des notes. Ils sont bons. Ils savent qu'ils sont bons. Et ceux qui sont mauvais, non seulement ils sont mauvais, ils n'ont pas de chance, ou ils sont cons, ou ils ont des parents horribles, et en plus, vous les castagnez en mettant des mauvaises notes. Ça sert à rien. Vous les découragez. Et donc, ils vont arrêter. Ils vont arrêter les frais. Ils vont dire, ah, bah, c'est comme ça, j'arrête. Il faut les encourager. Hein, Rachmi ? Il faut les aimer. C'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, on ne fait plus redoubler. Et on ne donne plus de mauvaises notes. Donc, tout le monde a le bac. C'est pour ça que le bac, ça ne sert à rien. Ah bah... Bah non, de toute façon, ça ne sert à rien de donner de mauvaises notes, puisque le mec, il passe quand même. C'est-à-dire que l'école, elle a pas, avant, elle avait un rôle de sélection. Mais aujourd'hui, elle n'a pas un rôle de sélection, elle a un rôle d'accompagnement et d'éducation, quand même. Mais c'est plus d'accompagnement que de sélection. C'est pour ça que le bac, ça ne veut plus rien dire, parce que le bac, c'est plus ton certificat que tu es resté 10 ans assis à écouter, quoi. Et donc, en reste, tu vas être complètement largué, puis tu vas même pas avoir le bac.
Bon, mais t'auras fait une terminale. Et puis finalement, si tu repasses le bac 4 fois, évidemment, on va te filer, on va dire, bon, allez, casse-toi. De toute façon, le bac, ça te donne le droit de glander encore pendant 6 ans à l'université. Ah oui, la jalousie. Donc effectivement, la méchanceté, c'est... ça vient donc soit du fait qu'on pense que c'est l'autre la cause de notre malheur, soit du fait qu'on se sent inférieur. Effectivement, on se sent inférieur. Très juste. Donc, Sauteling, petit 2. Donc là, il faut développer. Pourquoi est-ce que le malheur cause la méchanceté? Il faut développer. On a dit 2, la jalousie, la vengeance. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons? Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas un autre type de lien entre le malheur et la méchanceté? Est-ce que c'est méchant? Est-ce que c'est méchant de rien faire pour ceux qui ont besoin? Bah donc t'es méchante, Réchmi, alors. Moi, j'y laisse, moi. Toi, Ted, bah, qu'est-ce que tu fous là, alors? Tu crois que les gens, ils sont heureux, là? Tu crois que tu fais assez? Mais imaginons, le clodo qui est en bas de chez toi tous les soirs. Tu pourrais assez facilement l'héberger chez toi. Mais oui, mais je le fais déjà. D'ailleurs, je vous présente. Alors, tu as raison de dire, bien sûr, facilement. Par exemple, il y a un philosophe moraliste, qui dit « Pour que vraiment le monde aille mieux, il faudrait qu'on donne tous la moitié de nos revenus aux gens qui n'ont rien. » La moitié. Il dit « C'est facile. » C'est facile. C'est facile, c'est possible. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Il y en a certains qui disent « Oui, on est méchant quand on mange de la viande. » En plus, quand on mange de la viande, évidemment, on finance... l'industrie de la viande, qui est horrible, qui traite les bêtes de façon ignoble. J'ai mangé du jambon, c'est horrible. Mais oui, les cochons, on les tue de façon ignoble. Les bœufs, on les accroche à des crochets comme ça, ils sont encore vivants. Vous avez tous vu la vidéo là sur Facebook? C'est horrible. Et ça, c'est vous qui mangez du jambon, qui faites ça. Non mais le problème... Je rigole, mais le problème, c'est vrai, c'est la responsabilité quand il n'y a pas de lien direct entre l'individu et la chose qu'on condamne. Donc il n'y a pas de lien direct entre moi et le clochard. Il n'y a pas de lien direct entre moi et le bœuf qu'on met sur un pieu. Bon, mais c'est quand même... Je participe à un système. Donc la question, c'est quelle est ma responsabilité quand ce n'est pas moi directement qui fais la chose, mais dans un système. Il n'y en a pas. C'est le problème, évidemment, qu'on a posé avec les nazis. Par exemple, t'es ramoneur. Non, mais t'es ramoneur. Et tu bosses dans un camp. Attends, toi, t'es ramoneur, c'est pas toi qui es responsable qu'on fait brûler des gens. Mais t'es ramoneur, donc tu participes quand même à un système. Tu fais que le système fonctionne. Bah, quand t'achètes du jambon, ton argent, il va aux gens qui tuent les cochons de façon horrible. Bah, quand tu ramènes la cheminée, c'est indirect aussi. Pas toi qui fais brûler les gens. Pas toi qui as fait tout le système concentrationnaire. Non mais, bon, je rigole, je provoque. Mais le problème du régime nazi, c'est ça. C'est qu'en fait, toute l'Allemagne a dit OK au régime nazi. Donc, il n'y avait pas beaucoup de gens à Auschwitz. Il n'y avait pas beaucoup de gens dans les camps de la mort. Il n'y a pas beaucoup de gens. Il y avait quelques centaines de gens. Mais ces centaines de gens, ils étaient possibles que parce qu'il y a des millions de gens qui étaient OK avec, qui faisaient rien. Ils disaient, bah, ouais, regardez ailleurs. Donc c'est un problème, on a beaucoup étudié ça. Comment ils regardaient ailleurs? Comment ils faisaient? Est-ce qu'ils savaient? Qu'est-ce qu'ils savaient? Jusqu'où ils savaient? Pourquoi ils n'ont pas essayé d'en savoir plus? Les trains qui partaient, oh le train, ah ciao! Et personne ne se demandait, mais où ils vont? Quand est-ce qu'ils reviennent? Tu vois? Donc ça c'est la question, c'est quoi ma responsabilité par rapport à quelque chose que je pourrais éviter? Alors, ce serait facile ou pas facile? Ou... Donc c'est une question morale importante. La question de ma responsabilité, de trucs que je ne fais pas directement, mais auxquels je participe. Auxquels je participe. De façon indirecte, mais je participe quand même. C'est la question des terroristes. Les mecs qui arrivent au Bataclan, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ah, vous avez voté pour François Hollande. Je dis, oh putain, je pensais pas que je prenais cette responsabilité quand je votais. D'être tué. Mais les mecs disent, vous avez voté pour François Hollande qui bombarde la Syrie. Donc maintenant, on va vous tuer. Parce que vous avez voté pour François Hollande. C'est ça qu'ils ont dit. Les mecs, ils ont dit ça. Ouais. Les mecs, ils étaient au Bataclan, on les a entendus, les mecs qui ont survécu, ont raconté que les mecs ont dit, ah, vous avez voté pour François Hollande, donc vous êtes responsable de sa politique, censément, bombardement, machin truc. Contre l'œuf, enfin contre. Voilà. Une action contre l'État islamique ancien. Donc, ils disent vous êtes responsable.
on vous tire dessus parce que vous cautionnez un système. Bien sûr, ce n'est pas vous qui nous avez bombardé, mais c'est nous qui vous flinguons. Bon, ça vous embouche un coin. Donc, on a trouvé deux raisons, la jalousie et la vengeance. Et après, vous avez dit quoi ? Pourquoi on a développé tout ça ? C'est Chloé ? Qu'est-ce que tu as dit ? Ah oui, oui, oui. Est-ce que je suis méchant quand je ne fais pas ce que je pourrais faire ? Alors, ben, je laisse la question ouverte. Ouais, il fallait trouver autre chose. Mais donc, tu proposes une définition qui me semble intéressante. Est-ce que je suis responsable d'un système qui fait le mal quand je participe à ce système ? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de méchant ? Quand tu manges du jambon, tu sais que c'est de la viande. Quand tu passes devant le clochard, moi un jour j'habitais à un autre endroit, mais il y a un clochard qui dormait en bas de chez moi, un hiver. Un matin, je suis descendu. Le mec, il était pareil que la veille, mais juste la nuit, il avait fait moins de 10, quoi. Je dis, le mec, il est mort. Ah, t'es peut-être pas mort, hein, mais j'espère pas. Mais oui, c'est ça, c'est la question du savoir. C'est-à-dire qu'on sait quand même, on sait, c'est ça. C'est-à-dire que le clochard en bas de chez moi, je sais qu'il fait froid, je sais qu'il est là, mais je fais rien. Mais parce que je suis dans un système qui pense que c'est tolérable. Je suis dans un système qui pense que manger du jambon, ça va. Il y a un code, la porte elle n'est pas ouverte. Ouais, mais je ne l'ai pas fait. Ouais. Et toi, si tu le fais, tu vas te faire virer de ton appart. Parce que je sais pas, tu es dans un immeuble, il y a d'autres colocataires, les mecs ils vont dire, t'es fou, tu ne fais pas rentrer de clochard chez nous, oui, dans l'immeuble. Oui, mais voilà. Vous savez, vas-y. Ah, le Canada. Il y a des gens, ouais, mais ils ont des clodos sympas au Canada. Ah. Voilà. Voilà. Donc on est dans un système. Un prix à payer. Et du coup, ça fait deux clochards de plus. Donc quelle est notre part de responsabilité dans un système ? On aurait tendance à dire on n'a pas de responsabilité. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on agit. On ne change pas le système. Ou alors à la marge, on donne 1 €, on va donner la soupe au Resto du Cœur 2-3 fois juste pour dire j'ai fait ça, bon, pour le mettre sur son CV. Donc on dit on n'est pas responsable, c'est le système. Le système est composé d'individus bien sûr, qui sont comme nous, mais juste bon, le système est comme ça. Donc on va dire que c'est pas de la méchanceté. On va dire qu'on va garder la méchanceté pour des actes directs ou quasi directs. Par exemple, si vous commanditez un assassinat, c'est-à-dire si vous payez un Serbe pour aller tuer un voisin parce qu'il vous emmerde, c'est pas vous qui le tuez, mais enfin c'est vous la cause. Donc là, bon. Bien. Donc, on a donc deux, pour l'instant, deux liens. Le lien de la vengeance, le lien de la jalousie. Le lien du système, on dit non. C'est très bien de le mettre dans vos paragraphes. Les gens, ils vont être bravo. Les correcteurs vont dire bravo, vous abordez cette question. Même si vous dites, je ne le prends pas en compte. Mais vous l'avez, vous l'avez notifié, vous y avez pensé, que vous avez éventuellement une part de responsabilité dans un système qui crée du mal. Mais vous n'êtes pas directement créateur de ce mal. Vous êtes né dedans. C'est-à-dire vous êtes né dans un système qui fonctionnait comme ça. Donc ce n'est pas vous le responsable. Maintenant, vous profitez de ce système, vous bouffez du jambon. Ok. Donc, quel autre lien entre le malheur et la méchanceté ? Que la jalousie et la vengeance. Pourquoi est-ce que les gens malheureux, ils font de mal ? Pourquoi ces gens malheureux, ils sont méchants avec les autres ? Il me semble qu'on a fait une liste quand on était au brouillon là. On a fait une liste de liens possibles, une liste de causes possibles du rapport entre les deux. Tu suis ? Alors, quels sont les autres liens possibles entre malheur et méchanceté à part la jalousie et la vengeance ? La cruauté. Mais en quoi est-ce que ça fait le lien entre malheur et méchanceté ? C'est juste la méchanceté. Pourquoi ça viendra du malheur ? Pourquoi il faudrait être malheureux pour être cruel ? Pourquoi ?
Mais ça, c'est des formules. Tu n'expliques pas pourquoi. Pourquoi est-ce que quand j'ai le bonheur, j'aurai pas encore plus de plaisir en étant cruel ? Robin des Bois. C'est quoi le rapport avec la question que j'ai posée ? Aucun. Aucun rapport. C'est une idée intéressante, mais elle n'a aucun rapport avec la question que je pose. La question que je pose, c'est quoi le rapport entre le malheur et la méchanceté ? Donc on a dit jalousie. Comme tu es malheureux, tu es jaloux des autres qui ne sont pas malheureux. Donc tu veux qu'ils soient comme toi. Parce que sinon, tu te sens inférieur. C'est même toi qui l'as dit, l'infériorité. Très intéressant. Ensuite, deuxième raison, tu te venges. Tu penses que ton malheur, par exemple, je ne sais pas, tu es sur une chaise roulante, c'est la faute du mec qui t'a tiré dessus. Donc tu veux niquer sa race. Bon, là, c'est. Mais tu me dis, Robin des Bois. Donc Robin des Bois, c'est une raison de faire le mal. Mais ça n'a aucun rapport avec le malheur. Robin des Bois, il n'est pas malheureux. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en quoi est-ce qu'on peut utiliser Robin des Bois dans notre sujet ? Je ne sais pas. La méchanceté vient-elle toujours du malheur ? Ça sera dans le grand 2. Robin des Bois, il fait le mal, mais il n'est pas malheureux. Pourquoi il fait le mal ? Parce qu'au fond, ça permet de faire plus de bien à ceux qui en ont plus besoin. Donc ça sera dans le grand 2. Donc on garde Robin des Bois dans le grand 2. C'est une très bonne idée, je n'y avais pas pensé. C'est une très bonne idée. Alors, revenons à notre question initiale. C'est-à-dire, ici, il faut répondre à la question, c'est quoi le lien entre malheur et méchanceté ? Encore une fois, cruauté, je ne vois pas pourquoi on serait cruel, parce qu'on est malheureux. Pourquoi on ne serait pas cruel ? Les raisons qui nous poussent à être cruels peuvent aussi bien fonctionner quand on est heureux, quand on est malheureux. C'est-à-dire le plaisir de voir l'autre souffrir, quoi. Hein ? Le plaisir de voir l'autre souffrir. Un vrai plaisir. Ouais, non ? Oui, c'est la méchanceté, c'est la cruauté. Mais pourquoi est-ce qu'on aimerait mieux la cruauté en étant malheureux qu'en étant heureux ? On peut être parfaitement heureux. Alors, la question sera la même. C'est quoi le lien entre malheur et méchanceté ? Toi, tu me dis c'est la cruauté. Je dis, je comprends pas. Non, on peut être cruel. Non, mais c'est pas une question carambar. C'est pas une devinette. Il faut réfléchir. Il n'y a pas une réponse bonne ou mauvaise. J'ai pas de réponse, moi, Rechmi, je te pose la question, parce que je ne le sais pas. On a vu jalousie et vengeance. Ça me semble un peu court. Il me semble que c'est un peu court. J'aimerais bien peut-être d'autres idées. Je les ai pas. Mais c'est quoi le mal ? Donne-moi un exemple précis. En quoi est-ce que cet exemple il montre que c'est parce que la sage-femme est malheureuse qu'elle fait ça ? Moi, je veux une explication du pourquoi le malheur de la sage-femme fait qu'elle fait du mal à la mère. Ah, l'envie, la jalousie. Ok, donc on a dit jalousie, vengeance. On cherche d'autres choses. Donc on est jaloux, on est envieux. Mais quand tu fais souffrir les autres, tu n'exprimes pas ta souffrance. Tu crées une nouvelle souffrance. Tu peux exprimer ta souffrance en faisant une œuvre d'art, par exemple. Mais pourquoi ? Pourquoi ta souffrance, elle te rend méchant ? Tu crois vraiment à ton histoire ? Non, mais elle tient pas debout. Elle tient pas debout. Quand tu es en deuil, tu es malheureux, tu es triste, tu restes chez toi, tu pleures. Tu as déjà vécu ça dans ta vie ? Non. Bah alors c'est de la merde. Ta réflexion, elle doit partir de toi, de ce que tu ressens, de ce que tu as vécu. Si tu parles d'un truc que tu n'as jamais vécu, ça n'existe pas. Parle-moi de ce que tu as vécu. Moi, je suis sûr que tu as vécu. Dans ta vie, Louis, tu es grand, tu as déjà raté le bac. Tu me l'as dit, donc je le sais, tu as au moins 18 balais. Je suis sûr que tu as vécu une expérience où il y a un truc malheureux qui t'a fait faire le mal, où tu as été témoin de quelque chose. Moi, j'aimerais que tu me parles de ça, du truc que tu as vécu précis, avec des noms, des dates, des adresses. Moi, je suis sûr que ça t'est arrivé. Je suis sûr. Et tout nous est arrivé déjà. Mais en quoi est-ce que ça, c'est vrai si tu es heureux aussi ? Quand tu es heureux aussi, c'est utile d'être méchant. Pourquoi est-ce que tu le ferais plus parce que tu es malheureux ?
Ouais, mais c'est ça qui est difficile. C'est vraiment de trouver un lien. C'est un lien abstrait, effectivement. C'est un peu difficile. Un lien entre malheur et méchanceté. Tu veux dire, les mecs qui ont perdu quelqu'un et qui vont aller buter quelqu'un. Ah oui ? Ah oui. J'ai jamais entendu parler de ça. Bon, d'accord, alors ok, ok, peut-être, ok. Mais j'en vois pas vraiment la logique psychologique. Je pense que t'as perdu quelqu'un, t'es juste malheureux, quoi. Sauf si tu dis, cette personne, quelqu'un l'a tué. Alors là, oui, là tu vas te venger, tu vas le buter, le mec. Mais si personne n'est responsable. Imaginons, t'as une grand-mère qui a 98 ans, qui fume un paquet de clopes depuis qu'elle a 14 ans, et elle meurt. Tu vas aller tuer un petit gosse à la sortie de l'école en disant « Ah, ma grand-mère est morte, tu vas payer !» C'est pas ça. C'est un mec, j'ai perdu la Ah, tu vas craquer. Tu vas craquer. D'accord, tu vas décompenser. D'accord. Ça va créer une sorte de rage qui ensuite va trouver n'importe quel objet pour s'exprimer. Bon, ok, d'accord, ok. Alors, Michael. Ça, c'est une forme de vengeance, ou une forme de répétition. Oui, pas tout à fait de la vengeance. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Ça y est, on tient quelque chose. La répétition de ce qu'on a subi, c'est vrai. Voilà. Non, mais ça, t'as la même chose ici. Si t'es jeune, tu te fais battre, tu deviens grand, tu bats les autres. Finalement, c'est une façon pour toi d'être. Donc ça, c'est bien, la répétition. On tient une troisième chose. L'ennui, c'est pas mal. L'ennui, effectivement. Ok, l'ennui, la répétition, la jalousie, la vengeance. T'as encore oublié le malheur. T'as encore oublié la moitié du problème. Bon, mais c'est intéressant, ça pourrait être dans le petit 2, dans le grand 2. Effectivement, tu vois qu'au fond, le crime reste impuni. Tu te dis, pourquoi pas moi ? C'est la vie de Gigès. Je pensais à autre chose quand tu as dit ça. Je pensais, finalement, imaginons le drogué. Par exemple, le mec qui tombe dans l'héroïne. Il a besoin de sous. Donc il va voler ça qu'aux petites vieilles. Il va être méchant. Parce qu'il a besoin d'héroïne. Ou le mec qui se fait virer. Où est Breaking Bad ? Ah, bah oui, Breaking Bad. Le mec, c'est un enculé. Parce qu'il est malheureux. Il a le cancer. Sa femme le quitte, je sais pas quoi. Bon, au fond, c'est cette explication toute bête que, en fait, le malheur, t'es dans le besoin. Et donc, tu vas faire le mal des autres parce que tu es dans un besoin qui fait que... Au début de la série, Walter White, c'est un pauvre prof de physique qui fait un deuxième boulot, à un moment, il apprend qu'il a un cancer. Et donc, il voit que sa famille va finir à la rue parce qu'il n'a pas d'assurance. Donc, il va commencer à dealer. Oui, après, il va... Bien sûr, après, c'est l'histoire. C'est qu'après, il va prendre goût. Après, il va devenir méchant. D'ailleurs, c'est intéressant. Il va devenir méchant. Bon, ok. Alors, petit 2. C'est quoi le lien entre la méchanceté et le malheur ? Alors, je pense que le lien numéro 1, c'est quoi la première cause qui lie le malheur à la méchanceté ? Ou la méchanceté au malheur ? C'est quoi le numéro 1 ? Parmi tout ce qu'on a dit. Ouais, l'ennui. Mais est-ce que l'ennui, c'est un malheur, vraiment ? Ils sont ennuyés très très fort, alors très 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 longtemps. Moi je crois que l'ennui on va le garder pour le grand 2, tu vois. Je crois que l'ennui on va le garder pour le grand 2 parce qu'on va dire en fond, on peut faire du mal sans être malheureux parce qu'on s'ennuie. S'ennuyer c'est pas être malheureux quand même, faut pas exagérer. Enfin, tous les gosses s'ennuient, tous les gens un peu bêtes s'ennuient parce qu'ils... C'est pas du malheur. Donc je pense qu'on va le garder pour le grand 2. Ben, c'est une bonne idée, effectivement. Une bonne idée l'ennui. J'hésite personnellement entre vengeance et l'imitation. Le fait qu'au fond, les gens méchants, il n'y a rien à faire, ils ont été hyper malheureux quand ils étaient jeunes. Vous les voyez d'ailleurs, les gosses. Les gosses à 7 ans, qui sont déjà, tu te dis, mais putain, pourquoi je ne le croise pas quand il a 20 ans, quoi. Il va me flinguer le mec. Parce qu'à 7 ans déjà, il est... Et on dirait un gremlins. Plus fort. Vengeance ou répétition ? J'hésite. Mon cœur balance. Vengeance ? Peut-être la vengeance, parce que finalement, même la répétition,
Les gens vont se dire, je me venge de mon père qui me battait, je me venge de la société qui m'a pas éduqué, blablabla. Bon. Donc, number one, la vengeance. Non, mais l'intitulé exact. Est-on méchant seulement parce qu'on est malheureux ? On ne dit pas seulement, le seulement sera le grand B, rappelez-vous. Et on va dire, on est méchant parce qu'on est malheureux, par vengeance. Par vengeance. Parce qu'on pense que notre malheur, il vient des autres. Voilà, il vient des autres. Rappelez-vous, hein, on a dit le malheur, c'est faire du mal aux autres. Hein. Donc on est bien cohérent. On est méchant parce qu'on est malheureux. Et la méchanceté, c'est la vengeance qui vient du fait qu'on pense notre malheur, il est causé par les autres. Donc on se venge. Notre malheur, il est causé par les autres. Par exemple, les terroristes du Bataclan, ils disent, si la Syrie en se fait bombarder, si les civils arabes se font bombarder par l'Occident, c'est de la faute de l'Occident, donc je vais aller les flinguer. J'ai pas de drone, j'ai pas de bombe atomique, j'ai juste un Kalachnikov, et ben je vais m'en faire une... Non, c'est parce qu'ils n'ont pas l'amour. S'ils avaient l'amour, ils n'auraient pas... Non mais, attends, Rechmi, t'as raison. Mais le problème, c'est pas exactement ça. Le problème, c'est que faire pour donner de l'amour à des gens qui sont en guerre. C'est ça le problème. Bien sûr que tout le monde a besoin d'amour. Bien sûr que tout le monde a besoin de Netflix, de parents qui les aiment, d'aller à l'école, bien sûr, ça on le sait. Le problème, c'est comment on fait avec la Syrie. C'est le deuxième lien entre malheur et méchanceté. C'est que vous reproduisez le malheur et donc vous l'infligez aux autres. Voilà. Troisième lien qui me semble très puissant, c'est tout simplement que la méchanceté est une façon de se sortir du malheur. Par exemple, Breaking Bad. Si le correcteur ne connaît pas Breaking Bad, c'est un abruti. Non mais il connaît, c'est forcé qu'il connaît. En plus, il a été analysé philosophiquement 1000 fois. Bon. Donc il connaît, même s'il ne l'a pas vu, il connaît. Donc Breaking Bad, c'est ça. Le mec a un cancer et il dit « je vais dealer, c'est pas bien de dealer, mais je suis prof de physique, donc je suis une merde, mais je sais faire les trucs avec les fioles, donc je vais faire du cristal, des méthamphétamines, pour avoir du blé, pour mettre ma famille à l'abri. » Alors après, il prend goût, mais ça c'est une autre question. Peut-être qu'on pourra l'aborder en grand deux, justement. Mais pour l'instant, ça marche, le début en tout cas, le premier épisode, ça marche pour notre démonstration du grand 1. Il est méchant, c'est-à-dire qu'il fait de la drogue, et là, encore une fois, Chloé, on est dans une irresponsabilité indirecte. C'est pas lui qui prend la drogue. Donc c'est faire du bien pour faire du mal, mais c'est même pas lui qui le vend. Il répond à une demande. La demande, elle existe. C'est-à-dire, si lui ne le fait pas, quelqu'un d'autre le fera. Et peut-être même, le produit sera moins bon. D'ailleurs, il est très fier de la pureté de son produit. Et donc, au fond, il fait un bon mal. Vous me suivez ? Et c'est d'ailleurs ce que beaucoup de gens disent pour la légalisation de la drogue. Et pourquoi il faut légaliser la drogue ? Il faut légaliser la drogue pour pas qu'il y ait de la merde sur le marché. Aujourd'hui, alors j'en sais rien parce que je suis pas trop là-dedans, mais vous achetez de la cocaïne à Paris, vous achetez un truc, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Et d'ailleurs, en général, il y a presque la moitié, c'est de la coke, c'est de la merde, c'est de la farine, ou pire, de la soude. Si vous légalisez la cocaïne, déjà, il n'y a plus de guerre au Mexique. La plupart des mafias, et même éventuellement les terroristes aussi, n'ont plus de fric, parce qu'ils font aussi du deal en Afghanistan et compagnie. Et évidemment, ils n'ont plus d'argent si vous légalisez, parce que tout l'argent vient du fait que c'est interdit. Et donc, ça coûte beaucoup plus cher. Mais vous avez un produit qui est bon. Vous avez un produit qui est bon sur le marché. Donc, quand vous prenez de la coke, vous prenez de la bonne coke. Ça ne va pas vous détruire, ça ne va pas vous exploser la gueule. Bon, donc c'était juste un petit détour pour dire, au fond, la responsabilité de Walter White, elle est indirecte. Alors, il va faire beaucoup de mal après, il va tuer les gens, etc. Mais au fond, parce qu'il est dans un business où ça se fait. Mais le fait de produire la drogue, est-ce que vraiment c'est mal ? C'est comme produire du jambon. Est-ce que c'est mal ? Certains diraient, c'est pire de manger du jambon que de dealer de la drogue. Parce que quand vous dealez de la drogue, vous donnez aux gens ce qu'ils veulent. Alors que le cochon, il ne veut pas devenir une tranche de jambon. Pas du tout. Vous lui demandez, le cochon, il dit... Non mais est-ce que tu as besoin de cours de philo ? Ben non plus. C'est pas parce que tu n'as pas besoin d'une chose qu'elle n'est pas bonne. Je sais pas, la méthamphétamine, ça pourrait être bon pour tes rêves ou pour, je sais pas, ton plaisir.
Oh, mais là, on dérive, là, on dérive. Notre argument pour l'instant, c'est de dire Walter White, pourquoi il est méchant ? Parce qu'il est dans le besoin. Autrement dit, c'est le système de sécurité sociale américain qui pue, qui est responsable de Walter White. Donc là, c'est une responsabilité du système. Si Walter White avait et vivait en France, il n'y aurait pas de Breaking Bad. Ça serait con. Parce qu'en France, il y a la sécurité sociale, donc il a un cancer, tout est pris en charge. C'est pour ça que la sécurité sociale, elle est en déficit. Parce qu'on va payer des milliers et des cents pour que Walter White y vive longtemps. Prenons l'exemple de Leroy Norman. Leroy Norman, qui n'a pas été aimé, qui a été abandonné, qui est tombé dans l'héroïne, et comme il est devenu dépendant à l'héroïne, parce qu'il était malheureux et qu'il est toujours malheureux et qu'il n'a pas arrêté, il pique les sacs des vieilles. C'est comme Walter White, pour une autre raison, mais il est malheureux et il est dans le besoin d'héroïne, donc il vole de l'argent. Le junkie qui vole. Bon voilà, c'est quelqu'un qui est malheureux, qui va faire du mal aux autres. Pourquoi ? Parce qu'il est malheureux et donc il a besoin de sa dose d'héroïne. Bon. Il ne veut pas faire le mal, mais de fait, il a besoin de quelque chose qui implique le mal. Alors, on a dit... Vengeance, répétition, cause directe pour sortir de malheur, et il y a la dernière chose qui était l'envie, la jalousie. Donc on va dire, dernière, le sentiment d'infériorité. C'est quoi le sentiment d'infériorité ? Ben, on va dire, au fond, ça a deux origines. Première origine, la conscience. C'est-à-dire que, nécessairement, un être humain se sent inférieur. Pourquoi nécessairement ? Parce que être humain, c'est avoir conscience de nous-mêmes. Et ça veut dire quoi, avoir conscience de nous-mêmes ? C'est nous juger nous-mêmes. C'est ça, avoir conscience de soi. C'est se juger soi-même. Et ça veut dire quoi, se juger ? Se juger soi-même. Se comparer, absolument. Et se comparer à quoi ? Il faut que j'arrête de parler comme ça. Ça commence à faire chier. Se comparer à un idéal. Donc la conscience de soi, c'est dire, c'est calculer la distance entre moi et l'idéal. C'est ça la conscience. Donc ça, c'est une forme d'infériorité. Ça, c'est la première origine. Deuxième origine, bien sûr, et là on touche à une autre cause qu'on a dite, à savoir les traumatismes infantiles. La deuxième origine, bien sûr, c'est les autres qui vous disent « Mais t'es qu'une merde !» T'es qu'une merde. Voilà. Et donc quand on vous dit ça, eh ben, ce sentiment, évidemment, il est décuplé. Surtout quand c'est vos parents qui vous le disent. Ce qui arrive souvent, malheureusement. Qui vous le disent, directement ou indirectement. Il y a plein de façons pour les parents de ne pas bien aimer leurs enfants. En étant trop sévère, en ne montant pas de signes d'affection, en disant des choses blessantes, etc. Bon. Deux origines du sentiment d'infériorité. Première origine, la conscience elle-même. Parce que la conscience, c'est le jugement de soi. Donc un jugement de soi, c'est toujours la différence entre soi et ce qu'on devrait être. Et deuxième source, les autres. Les autres. Et d'abord les parents. On voit d'ailleurs très bien les gosses qui ont confiance en eux et donc qui sont assez à l'aise et qui n'ont pas besoin en permanence qu'on les regarde, en permanence qu'on... Hein, et les gosses qui sont dans une demande, sont dans la volonté de preuve, sont dans l'insolence et le fait de « Ah, regarde-moi, je suis plus fort, je suis ceci, je suis ça. » Donc qui manque de confiance en eux. Et donc, faire le mal, c'est ça. Faire le mal, c'est vivre mal son infériorité, ou vivre mal le jugement de soi. Et donc, le faire payer aux autres. Le faire payer aux autres, qu'on pense supérieur. Donc on est jaloux, on est envieux. Puisqu'on se sent inférieur, on dit, ah ben, si je me sens inférieur, c'est parce que les autres... me nargue, c'est parce que les autres font mieux que moi, c'est parce que les autres me méprisent, et donc on va dire, ben, ils vont payer. C'est aussi un mix en fait entre les traumatismes infantiles et la vengeance, parce que finalement quand vous êtes jaloux, vous voulez vous venger, quand vous êtes envieux, en un sens, vous voulez vous venger, vous venger d'un mal qui ne vous a pas été fait, ou indirectement, symboliquement. Donc c'est un mix, on pourrait le mettre, un mix entre la répétition de l'enfance, où dans l'enfance on vous a inculqué un mauvais jugement de vous-même, donc vous le répétez quand vous êtes grand. Un mix de la répétition d'enfance et de la vengeance. Du coup, vous voulez vous venger des autres, que vous pensez être à l'origine de ce sentiment d'infériorité.
Donc, conclusion du grand A, est-on méchant parce qu'on est malheureux? Oui. On a vu pas mal de liens entre malheur et méchanceté. Et je dis encore une fois, pas mal de liens, parce qu'on n'a pas dit c'est que le malheur qui fait la méchanceté. Ça, on va le faire en grand B. On va traiter en grand B le seulement. Encore une fois, si vous oubliez le seulement dans ce sujet, mais donc dans tous les sujets, il faut faire hyper attention aux mots, il ne faut les laisser aucun mot de côté. Hein, ce seulement, c'est si et seulement si en mathématiques. Si et seulement si, c'est pas du tout la même chose. Hein. De dire si alors et de dire si et seulement si, c'est pas le même connecteur logique. Ça veut dire quelque chose de différent. Ici, c'est si et seulement si. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a que le malheur, je le répète, hein, je l'ai déjà dit, mais encore une fois, c'est un peu abstrait, est-ce qu'il n'y a que le malheur qui rend méchant? Ou est-ce qu'on peut être méchant même sans être malheureux? Donc le sujet pose cette question. Dans le grand A, on dit, c'est que parce qu'on est malheureux qu'on est méchant. Donc, une étoile, grand B, le malheur seul produit la méchanceté. Elle doit donc être pardonnée. Elle doit donc être pardonnée, puisque finalement, les gens n'en sont pas responsables. Bah là, finalement, on a déjà la structure. Le malheur seul produit la méchanceté. Et évidemment, petit 2, la question du pardon. Alors, petit 1, le malheur seul crée la méchanceté. Alors, comment est-ce qu'on va arriver à totaliser les liens entre malheur et méchanceté et les verrouiller comme étant les seuls producteurs de la méchanceté? La méchanceté est dans le malheur, en grand B. C'est-à-dire que toute la méchanceté vient du malheur. D'accord? En grand A, on ne l'a pas démontré. En grand A, on a dit qu'il y a plein de liens entre les deux. Mais on n'a pas dit que toute la méchanceté vient du malheur. C'est ce qu'on va dire en grand B. La question, c'est comment est-ce qu'on peut passer à ça? Quelle est la raison qui va nous faire passer à ça? On est méchant pour être heureux, et donc, forcément, on est malheureux. Et je crois que tu m'avais dit ça, et j'avais déjà répondu. Même quand tu es heureux, tu veux plus de bonheur. Donc, petit 1, le malheur exclusivement engendre la méchanceté. Alors, vous aviez proposé la dernière fois l'idée que si on est méchant, c'est qu'on veut être heureux, et donc, c'est qu'on est malheureux. Le problème, c'est qu'on essaie tous d'être heureux. Et les gentils et les méchants. Donc c'est pas un argument qui est très valable. Quel argument lourd on pourrait utiliser pour dire c'est que le malheur qui engendre la méchanceté? Déjà, il faudrait faire une distinction entre malheur et absence de bonheur. Puisqu'encore une fois, même les gentils sont malheureux, entre guillemets. Même les gentils essaient d'être heureux. Donc même les gentils, ils manquent de bonheur. Vous me suivez? On essaie tous d'être heureux. Or, les malheureux ne sont pas seulement ceux qui manquent de bonheur, parce que tout le monde manque de bonheur. Ceux qui sont malheureux, ils font plus que manquer du bonheur. Ils ont quelque chose de positif, de consistant qui les rend malheureux. Par exemple, un deuil, une souffrance, un handicap. C'est pas seulement ne pas être heureux, être malheureux, d'accord ? Ben c'est par là qu'on va commencer, je vous propose. Puisque tout le monde essaie d'être heureux, tout le monde. Donc là, c'est un argument purement logique. Pour dire que seul le malheur engendre la méchanceté, il faut distinguer entre pas heureux et malheureux. Il faut distinguer pas heureux, c'est le cas de tout le monde, et malheureux, c'est le cas de certains, qui seront méchants. C'est ça l'idée du petit 1. Donc là, c'est purement logique, d'accord? Je pense qu'il faut en passer par là pour avoir les idées très claires. Encore une fois, si vous ne distinguez pas les choses, vous allez faire un truc vague, banal. Vous allez dire, oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Votre dissert, ça va être ça, quoi. C'est un truc de ce genre, quoi, qui est nul. Enfin, vraiment, c'est nul. Non, mais ce que je veux dire, c'est que n'importe qui, n'importe quel alcoolo bourré au bar d'en face, il dit pareil. Si vous faites une disserte qui pourrait être faite par un alcoolo bourré, vous n'aurez pas une bonne note. Okay? Donc il faut aller dans le détail. Ça, c'est pas compliqué, mais un alcoolo bourré, il ne le fait pas. Ok. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le malheur qui rend méchant? Les gens malheureux, c'est pas du tout, les gens sont pas heureux, mais tous les gens
non, parce que tu peux ne pas être heureuse sans être malheureuse. Par exemple, quand tu t'ennuies. Ne pas être malheureux sans être pas heureux. Oui, c'est effectivement. On pourrait représenter les choses comme ça. T'as raison. Mais je pense qu'on peut aussi les représenter comme je l'ai fait. À savoir que... Non, mais c'est un choix. Je pense que l'ennui, par exemple, c'est pas le début du malheur. C'est-à-dire, le malheur, c'est pas un ennui aggravé. C'est autre chose. L'ennui, c'est juste qu'il t'arrive rien. T'as rien de positif dans ta vie, mais c'est pas le malheur. Il n'y a aucun rapport entre l'ennui et que tu te fasses écraser par un camion. Tu te fasses écraser par un camion, ça c'est le malheur. L'ennui ne préfigure en rien ça. Ben si. Si, parce que tu peux être pas heureux sans être dans le malheur. Ouais, mais ça complique. Ça complique, parce que du coup, tu auras méchant. Est-ce que pas heureux rentre dans méchant ? Non, mais pas méchant, le méchant rentre dans pas heureux. Bah non, dans ce cas, ça veut dire que la méchanceté, elle vient aussi de l'absence de bonheur, et pas seulement du malheur. Mais parce que le malheur, ça vient de l'absence de bonheur. Mais non, c'est exactement ce que je te dis. Je suis en train de distinguer l'absence de bonheur et le malheur. À savoir, quelqu'un qui s'ennuie, c'est pas quelqu'un qui est devenu aveugle. C'est pas la même chose. Pourtant, quelqu'un qui s'ennuie, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux. C'est un choix que tu peux faire. Encore une fois, il est tout à fait justifiable. Moi, je ne le fais pas parce qu'encore une fois, je pense que l'absence de bonheur n'est pas le début du malheur. Je pense qu'un gosse qui s'ennuie, c'est pas un gosse malheureux. Un gosse qui n'est pas heureux, mais il n'est pas malheureux. Je ne le plains pas. Je pense que c'est bien de s'ennuyer. Le malheur, pour moi, n'est pas une déclinaison de l'absence de bonheur. C'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose qui t'arrive, quoi. C'est quelque chose qui t'arrive. L'absence de bonheur, c'est quelque chose qui ne t'arrive pas. Donc pour moi, c'est essentiellement différent. Je ne dis pas que j'ai raison. Je défends mon schéma. Je défends mon choix. Mais tu pourrais faire un autre choix, tout à fait. Tu pourrais faire un autre choix. D'ailleurs, il y a des gens qui diraient, je m'ennuie tellement, j'aimerais bien qu'un camion me roule dessus. Au moins, il m'arriverait quelque chose. Donc, ça se défend. Mais ce n'est pas ce que je défends. Est-ce que tu vois ? Donc là, je fais justice à ta proposition. Je dis qu'elle est juste. Mais moi, je défends pas ça. J'ai un autre avis. Et comme c'est moi qui fais court, c'est le mien qu'on choisit. Mais on pourrait choisir le tien. Ça marcherait aussi bien. Ça serait tout aussi défendable. D'accord ? Donc, quelle est la raison pourquoi le malheur crée la méchanceté ? Donc on a vu un certain nombre en grand A. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une réciprocité ? C'est-à-dire que toute la méchanceté vient du malheur. Comment verrouiller ça ? Il n'y a pas de méchanceté qui vient d'ailleurs. Dans le grand A, on laissait ouverte la possibilité que la méchanceté vienne d'ailleurs que le malheur. Par exemple, la cruauté. Dans le grand B, c'est ça qu'on veut faire. Donc, ma question, elle est un petit peu pointue, à savoir... Qu'est-ce qui fait que la méchanceté vient exclusivement du malheur ? Donc là, j'attends plus juste que vous me donniez raison. Bah oui, quand je me suis fait mal, je veux faire mal aux autres. Ça, c'est une des raisons qui fait que le malheur cause la méchanceté. Maintenant, je veux une raison pourquoi c'est que le malheur qui fait la méchanceté. Autrement dit, aucune méchanceté vient d'ailleurs. Vous voyez, c'est en fait, pour bien traiter ce sujet, il faut être pointu sur la logique. Alors moi, j'ai une idée. Je ne sais pas si c'est la meilleure ou si c'est la, comment dire, une raison assez substantielle, mais mon idée, c'est de dire avec Platon que nul ne fait le mal volontairement. C'est que vous faites le mal parce que vous n'y voyez pas clair. Si vous y voyez clair, vous ne feriez pas le mal, puisque le mal, c'est mal. Le mal, ça fait le mal tôt ou tard. C'est un peu l'idée. Ça fait le mal et puis c'est honteux et puis c'est moche. Et puis ça fait qu'on ne vous aime pas. Donc si vous faites le mal, c'est que vous faites une erreur, en fait. Pourquoi vous faites une erreur, dit Platon ? Bah, grosso modo, parce que vous ignorez. Donc, quand vous mentez, quand vous violez, quand vous volez,
quand vous trichez, vous croyez que c'est bien, mais vous vous trompez. Vous croyez que c'est bien, parce que si vous ne croyez pas que c'est bien, vous ne le feriez pas. Tous les gens qui font le mal pensent que c'est bien ce qu'ils font, sinon ils ne le feraient pas. Mais ils se trompent, dit Platon. Et donc ici, on pourrait dire, il n'y a que le malheur qui nous empêche d'y voir clair. Le malheur nous aveugle. Ce n'est pas le cas du bonheur. Le bonheur ne nous aveugle pas. Au contraire, nous fait voir plus clairement les choses. L'ennui ou l'absence de bonheur ne nous aveugle pas. Mais le malheur nous aveugle. Par exemple, il y a un mec qui me roule dessus avec son camion, je vais buter toute sa famille. Alors qu'en fait, juste, je sais pas, il a une crise cardiaque. Mais je ne le sais pas. Si j'avais su qu'il a une crise cardiaque, je ne vais pas tuer toute sa famille. Il a une crise cardiaque, ce n'est pas de sa faute. Mais comme je suis atteint, j'ai perdu mes jambes, j'ai la haine, ça m'aveugle et je vais tuer toute sa famille. Et après, je vais apprendre qu'en fait, il a une crise cardiaque. Là, je me sens vraiment mal, quoi. J'ai tué ses gosses et tout. Alors que le mec, juste, il a une crise cardiaque au volant. Alors que c'est un mec qui n'a jamais eu d'accident, qui était hyper prudent. Donc, première raison, pourquoi il n'y a que le malheur qui crée la méchanceté? Puisque la méchanceté, elle est involontaire, au fond. On suit là-dessus Platon. Nul ne fait le mal volontairement. Ce qui, quand on a réfléchi, est un peu chiant quand même. Parce que ça veut dire que même le pire pourri que vous rencontrez, vous ne pouvez pas trop lui en vouloir en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui font le mal, ils pensent que c'est bien. Encore une fois, sinon ils ne le feraient pas. Le violeur, il pense que c'est bien de violer. Sinon il ne le ferait pas. Ouais, sinon il ne le ferait pas. Non, mais s'il le fait, c'est qu'il juge que c'est bien. Mais c'est quoi une addiction? C'est un lapin sorti du chapeau. C'est quoi une addiction? De deux choses l'une. Soit t'es télécommandé. Donc t'es Terminator, si tu veux. D'accord? Et j'ai une télécommande et je te fais violer quelqu'un, par exemple, avec ma télécommande. Et toi, tu te rends compte de ce qui t'arrive, mais t'as pas les commandes. Et donc tu violes. Et tu veux pas dire non, non! Et tu violes. Là, je veux bien. C'est pas toi. Mais si personne te télécommande et que tu décides de violer, c'est toi qui le décides. J'ai une addiction. Mais une addiction, c'est un mot qui ne veut rien dire. Ça réfère à quoi? Tu as fait un truc, personne ne t'a forcé, tu l'as décidé. Si tu l'as décidé, c'est que tu l'as trouvé bon. Sinon, tu ne le ferais pas. Donc, soyons réalistes, c'est plutôt les mecs qui violent les filles. Donc, un mec qui viole une fille, c'est un mec qui pense que c'est bien. Alors, bien sûr qu'il sait que c'est interdit par la loi. Mais est-ce que vous traversez toujours au passage piéton? Non, vous savez que c'est interdit de ne pas traverser au passage piéton, pourtant vous le faites quand même, parce que vous dites c'est bien. Bon, lui, il viole, il sait que c'est interdit, mais il dit je m'en fous. Je fais quelque chose de bien pour moi. Alors il voit que la fille n'est pas d'accord, ouais, mais bon, pourtant, les chevaux non plus ne sont pas d'accord qu'on les dresse ou qu'on les monte. Ben, la fille, pareil, je la monte, elle n'est pas d'accord, ben oui, mais. Est-ce qu'on s'interdit de monter les chevaux? Après la fille, elle va le dénoncer, donc je la tue. Bon. Là, toi, par exemple, tu penses que c'est pas bien, tu le ferais jamais. Mais même si t'as vachement envie, tu le fais pas. Tu dis non, c'est pas bien, je vais pas le faire, c'est pas bien. Par contre, la cruauté, finalement, on est cruel, on fait quelque chose en sachant que c'est mal. T'as un avis contraire. Super, mais garde-le pour le grand 2. Sinon, tu t'en mêles les pinceaux. Si tu veux, c'est comme l'âne de Buridan. Il veut aller manger et il veut aller boire. Imagine, il fait les deux en même temps. Mais en fait, il boit, il mange pas, il fait aucun des deux. Donc, il meurt de faim et de soif. Donc, ce que je te propose, c'est d'être plus intelligent que l'âne de Buridan, d'aller boire et ensuite d'aller manger. Donc là, on est dans le grand temps, on va boire, on va dire, il n'y a que le malheur qui rend méchant. Et quand on aura bien fini de bien boire, on aura bien bu, on n'en pourra plus de boire, on ira dans le grand 2, on dira, bah non, c'est nul, en fait, on va manger. Et on sera dans le grand 2. Et là, on parlera de la cruauté. Cruauté qui est un contre-exemple, évidemment. Quoique, on peut le mettre en grand 1, on peut le tordre de façon A. Mais ce que je te propose, c'est de garder l'exemple de la cruauté pour le mettre en grand 2. Parce que la cruauté, ça me semble un très bon exemple, un très beau contre-exemple. Où effectivement, ça peut être notre transition. Ça peut être le pivot qui nous fait passer du grand 1 au grand 2. Ah oui, mais la cruauté. Qu'en est-il de la cruauté? Oh, je n'y ai pas pensé. Tiens, ça me fait changer d'idée. Ok. Donc, merci pour cette proposition qu'on va aborder une fois qu'on aura vu la question du pardon. Pour l'instant, quelqu'un qui fait le mal, c'est donc quelqu'un qui se trompe. C'est-à-dire qui juge bon ce qui est mauvais. Et d'ailleurs, qu'est-ce que fait la loi
sinon lui imposer que c'est mal ce qu'il a fait. Donc on va l'attraper, le violeur, on va lui dire, tu sais, violer une fille et ensuite la tuer, la découper en morceaux, la mettre dans un sac poubelle et la jeter, c'est pas bien. Ah oui, mais... Oui, mais c'est pas bien. Ah oui, mais... Bon, bah, tu vas aller en tôle. Tu vas souffrir. Et on espère que par cette souffrance, tu vas comprendre le mal que tu as fait. Donc la punition, elle est faite pour corriger les gens. D'ailleurs, on appelle bien ça une correction. Hein ? Je vais te donner une correction, Camille. Une bonne correction. C'est ce que ça veut dire. Je vais te donner une fessée. Pourquoi ça s'appelle une correction ? Bah parce que c'est pour te corriger. C'est pas pour te faire du mal. C'est pas parce que je suis un pervers, j'adore les petits culs. C'est pour que tu comprennes que tu as fait le mal. C'est ça, corriger quelqu'un. C'est dire, tu vois, t'es pas sur la bonne route, je te remets, je te corrige, comme une faute d'orthographe. C'est intéressant les mots. Corriger, c'est pas du tout anodin. C'est la vie de Platon, vous comprenez ? Punir le méchant, c'est le corriger au sens propre. C'est lui montrer qu'il a fait le mal, lui montrer le mal qu'il a fait. Exactement comme vous corrigez une faute d'orthographe. D'accord ? Le mal, c'est comme une faute d'orthographe. Ça fait un petit peu mal au cul à celle qui s'est fait violer, c'est sûr. Mais c'est assez comparable. Il n'y a que le mal qui nous aveugle assez pour nous rendre méchants. Il n'y a que le malheur qui nous aveugle assez. Et c'est donc l'aboutissement de toute cette démonstration depuis tout à l'heure. Autrement dit, l'être humain est naturellement bon. C'est-à-dire que si on vous laisse être normalement, vous allez naturellement faire le bien. Et le mal est une déviation, le mal est une erreur, le mal est un échec, le mal c'est quelque chose qui s'est mal passé. Du malheur qui vous a aveuglé et qui vous a conduit à être méchant. Bien. Là, on pourrait prendre quelques exemples. J'ai pas le temps, mais on pourrait prendre quelques exemples. Hein ? J'ai pris l'exemple du camion, vous vous vengez. On pourrait prendre l'exemple de la maladie, et donc vous, je sais pas, vous devenez jaloux, parce que vous trouvez ça pas juste, ça vous arrive à vous et pas aux autres. On pourrait prendre différents exemples qui montrent que le malheur qui m'arrive m'aveugle ou me fait voir le monde de façon distordue et me conduit à faire de mal aux autres. Sotteni, petit 2. Il faut donc pardonner. Et c'est ce que dit Platon. Ben oui, il est cohérent. Il dit qu'il faut pardonner, il ne faut pas en vouloir aux gens. C'est pas de leur faute. Et là, il y a une filiation très forte avec le christianisme, bien sûr. Hein. Quand le Christ dit « pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », c'est la même chose, c'est la même idée. Hein, vous savez, le Christ est sur la croix dans le Nouveau Testament. C'est cette histoire bizarre où le mec se fait crucifier. Et ben, il dit à Dieu, qui est censé être son père, il dit « pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Voilà. C'est exactement la même idée. C'est-à-dire, ils sont bêtes, ils ne sont pas éduqués, ils sont malheureux. Bon. Et donc, ils crucifient ces cons-là, mais ce n'est pas leur faute, il faut leur pardonner. Bon, ben, Platon, il ne dit rien d'autre, en fait. Il ne dit rien d'autre. C'est pour ça qu'il dit aussi cette chose bizarre, Platon. C'est qu'il vaut mieux être victime que bourreau. Il vaut mieux subir l'injustice, dit Platon, que la commettre. Autrement dit, il vaut mieux être volé que voleur. Vaut mieux être torturé que tortureur. Vaut mieux être violé que violeur. Vaut mieux être cible que terroriste. C'est bizarre. Parce qu'on a tendance à penser l'inverse. C'est dire, bah non, je préfère tirer qu'être victime de tir. Je préfère violer, d'accord, c'est pas bien, mais enfin, si j'ai à choisir, entre violer et être violé, je préfère violer qu'être violé. Hein, Louis ? Je préfère voler qu'être volé. Quitte à choisir. Les deux sont mauvais. Mais quitte à choisir, bien sûr, naturellement, on préfère faire le mal que le subir. Eh bien, Platon dit non. Enfin, Socrate. C'est Platon qui fait parler Socrate. Socrate, c'est le personnage de Platon. Socrate dit non. Il vaut mieux subir l'injustice que la commettre. Bien sûr, les deux sont mauvais. Bien sûr que personne, Socrate, il ne veut pas subir l'injustice, il n'est pas stupide, il n'est pas maso. Mais à choisir, il faut mieux subir l'injustice. Pourquoi il vaut mieux subir l'injustice ? Bah parce que c'est un mal extérieur. Alors que quand vous faites l'injustice, le mal, il est intérieur. Et c'est pire, c'est pire. C'est pire. D'ailleurs, regardez une situation. Les djihadistes qui arrivent au Bataclan, qui tirent partout.
Regardez le mec qui court à toutes jambes et qui laisse son gosse dans le Bataclan. Le mec, il court. Bon, il préfère pas subir l'injustice. Mais il est traité de lâche et il va avoir honte. Alors que le mec qui a le courage de revenir pour aider les autres, c'est un héros. Lui, il préfère subir l'injustice. Hein, Paul, préfère subir l'injustice au risque de sa vie. Et il sera traité en héros. Et il sera fier de lui, il sera content de lui. Donc c'est pas complètement idiot ce qu'il dit, puisque c'est bien le jugement qu'on a. Le mec qui se tire en laissant ses potes ou même ses gosses, parce qu'il a peur, parce qu'il veut pas subir l'injustice, il veut pas prendre une balle. On dit, bon, on comprend en même temps, on dit, est-ce que j'aurais fait mieux à sa place? On n'est pas sûr, donc, mais on traitera de lâche, clairement, c'est ça, être lâche. Alors que celui qui reste, qui revient et qui essaie d'aider les autres, eh bien, là, clairement, il préfère subir l'injustice. Alors, bien sûr, s'il y avait chaud, il préfère qu'il n'y ait rien. Mais enfin, s'il y a une injustice, il préfère la subir que de ne pas la subir. Et il sera traité en héros. Donc cette idée de Platon, elle n'est pas idiote. D'accord? Parce que commettre l'injustice, c'est être malheureux. C'est être beaucoup plus malheureux que subir une injustice, même si elle nous fait mal. Une injustice, ça ne nous rend pas malheureux. Ça nous fait du mal. Mais pas pour ça qu'on est mauvais, qu'on est honteux, qu'on est lâche, qu'on est misérable. Donc il faut pardonner. Mais c'est difficile à accepter. C'est pour ça que le FN est à 30%. Qu'est-ce que disent les gens? Ils disent « je suis dans la merde » et on aide les migrants, on aide les criminels, on aide les djihadistes au fond. Pourquoi on les aide? Bah oui, parce qu'ils sont malheureux. Donc on les aide. Par exemple, les mecs sont en prison. Bah déjà, ils sont logés, nourris, blanchis. Ensuite, quand ils sortent de prison, on essaie de les réinsérer. Donc on dépense de l'argent pour eux. Regardez les migrants. Ah, on aide les migrants et pas moi. Ah, on aide les bohémiens, les gitans, les je sais pas quoi, et pas moi. Genre, tous les gens qui votent FN, on en a entendu parler là depuis les élections, ils disent ça. Ils disent, j'en ai marre qu'on dépense de l'argent pour des étrangers, ou pour des gens méchants, ou pour des gens qui ne sont pas moi, quoi, qui ne sont pas des gens qui sont comme moi, des gens bons et justes, qui se lèvent le matin, qui éduquent leurs gosses, qui payent leur loyer, et moi j'ai rien. Moi je paye des impôts, j'en peux plus. Donc j'en ai marre, je vote Le Pen. C'est vrai que c'est difficile à comprendre. Qu'il faut aider ceux qui sont malheureux, même s'ils sont méchants. Alors que les gens qui sont soit heureux, soit moyennement heureux, soit pas heureux, il ne faut pas les aider. Il faut aider ceux qui sont malheureux, mais y compris ceux qui sont méchants. Par exemple, les chômeurs. Les gens qui n'ont pas de boulot, on les aide. Les gens qui disent, mais faut pas les aider. On en a marre, nous, qui travaillons, de payer des impôts incroyables pour les aider, ces gens-là. Je crois pas, je crois qu'il y a une idée d'injustice. Quelqu'un qui vote FN. Pour la raison qui dit, faut pas aider ceux qui ne le méritent pas. Pas seulement l'égoïste. Je veux dire, il comprend l'idée, par exemple, de l'assurance, que tout le monde paye pour être assuré. Par exemple, tu es assuré contre la maladie. Donc tu payes tous les mois pour que si tu es malade, on paye pour toi. Les autres payent pour toi. Donc là, ils ne sont pas contre ça. Parce qu'ils comprennent bien que ce n'est pas injuste. Tu cotises pour que si ça t'arrive, tu sois remboursé. Imaginons que tu payes toute ta vie et ça t'arrive jamais. Bah, bravo! Super, au fond, tu as plutôt de la chance. C'est plutôt ce que tous les gens veulent. Les gens veulent cotiser toute leur vie et n'être jamais malade. Mais ils sont quand même d'accord pour cotiser. Autrement dit, quand les autres sont malades et qu'ils payent pour eux, ils ne disent pas, ben non, je ne paye pas. Ils comprennent bien la logique, ils ne sont pas stupides, les gens qui votent FN. Enfin, il y a peut-être des gens stupides, mais enfin, il n'y a pas combien? Combien de gens ont voté FN? Des millions. Pas des millions de gens stupides. Combien? 6 800 000. Donc, c'est, tu vois. Pas seulement tout pour moi, dans une idée un peu stupide, où ils disent, où c'est illogique en fait. Il y a l'idée qu'il y a des gens qui ne méritent pas. C'est-à-dire que les gens qui sont méchants, il faut les buter, quoi. C'est tout. Il faut les buter, il faut les exclure. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça.
Oui. Oui, mais pourquoi ils sont contre ce système? Parce qu'ils le jugent injuste. Non, parce que... Non, mais c'est pas droite et gauche qui condamne. C'est pas droite et gauche qui condamne. Ce qui condamne, c'est le fait que la réalité est injuste. Et la droite et la gauche, pas plus l'un que l'autre, ne changent ça. Donc, ils sont contre le système injuste. Si on vivait dans un pays où tout le monde est riche et tout le monde s'enrichit et c'est juste, et droite et gauche, ça change rien. Bah, très bien. Non, le problème, c'est que le monde est injuste. Ils pensent que c'est injuste. Et donc, ils accusent et droite et gauche de rien changer à cette injustice. Donc, ils jugent une injustice en rejetant droite et gauche. Sanction pour ne pas changer ce qui doit être changé. Par exemple, les mecs, ils disent il faut fermer les frontières. Droite et gauche, droite ni gauche ne ferme les frontières, donc je vote ça. Donc il y a bien la condamnation d'une injustice. C'est pas seulement rien faire, parce qu'encore une fois, rien faire dans une situation où tout va bien, ben, tant mieux, heureusement. Si la situation elle est parfaitement bien pour les gens, que droite ni gauche ne change rien, ben, tant mieux, faut pas qu'ils changent puisque c'est parfait. D'accord. Donc tu dis droite et gauche ont des valeurs qui sont les mêmes que ceux qui votent FN. Sauf que les gens qui votent FN disent gauche à droite ne font rien pour mettre en œuvre ces valeurs. Ah. Non, on va au fond des choses, parce que je vois que t'as un argument. Je vois que t'as un argument. Moi, ce que j'entends de ton argument, c'est cela, Kevin. C'est que ils condamnent pas droite et gauche en tant que tel. Ils condamnent droite et gauche parce qu'ils ne feraient rien pour changer une réalité qui n'est pas satisfaisante ou qui n'est pas conforme aux valeurs qu'ils prétendent incarner. Honnêtement, les gens qui sont de droite et de gauche, mais qui en ont marre que droite et gauche ne fassent rien, ne votent pas pour le Front National. Ils votent pas. Ou ils votent blanc. Les gens vraiment, les bobos, je veux dire, les gens vraiment qui... C'est l'élite, votent blanc. Ça ne sert absolument à rien, mais ils votent blanc. Ils sont très très fiers. Ils disent, ah, il faut compter le vote blanc. Bon, vote blanc. Non, si tu n'es pas du tout d'accord avec le FN, tu ne votes pas FN. Non, les gens qui votent FN, d'accord, ils sont poussés dans les bras du FN parce que ils ont une réalité, ils sont face à une réalité qui n'est pas satisfaisante et ils ont l'impression que droite ni gauche ne changent rien, mais il y a quand même quelque chose du FN qui leur plaît. Sinon, ils ne voteraient pas FN. Encore une fois, les gens qui ne sont pas du tout d'accord avec le FN ne voteront jamais FN. D'accord. Alors moi je vais te dire, j'entends ce que tu dis, mais je vais quand même te dire que si tu veux faire chier, et que tu n'es pas du tout d'accord avec le FN, c'est-à-dire que hein, tu ne votes pas FN. Tu ne vas pas voter, tu manifestes, tu fais des pétitions, tu votes à l'extrême gauche, tu fais du sabotage. Tu fais du sabotage. Mais tu ne votes pas FN. Si tu votes FN, c'est que les idées du FN ne sont pas complètement, éloignées de ce que tu penses. D'accord, j'entends. Je te dis quand même que le FN a une certaine histoire. Non, mais le FN a une certaine histoire. Le FN, ça veut quand même. C'est quand même un parti assez précis, je veux dire. Tu vois, il dit des choses assez précises. Bon. Si tu n'es pas du tout d'accord avec, tu feras tout avant de voter FN. En fait, tu ne voteras jamais FN. Donc, encore une fois, ceux qui votent FN, c'est ceux qui ne sont pas complètement. Ils ne sont peut-être pas les idées du FN, mais ils ne sont pas complètement imperméables. Ils ne sont pas complètement contre. Encore une fois, si c'est complètement contre, tu ne le fais pas. C'est la même chose que le viol, quoi. Si tu penses que c'est vraiment mauvais, tu t'en fais pas, tu commences pas. Tu vas dire, je le fais un peu, mais je ne suis pas d'accord. Non, c'est pas d'accord, tu ne le fais pas du tout. Donc, je pense qu'il y a quand même une ligne jaune, quoi. Il y a quand même une ligne jaune. Mais j'entends ce que tu dis et je le découvre, parce que c'est vrai que je me formulais pas les choses comme ça, donc je t'écoute. Mais je maintiens quand même. Je maintiens l'idée qu'il y a quand même une ligne jaune et que moi, d'autre part, hein, je connais aussi des gens. Et c'est pas seulement non plus des exemples, c'est aussi un raisonnement intellectuel qui est que si tu as une certaine culture politique, tu sais que le FN, c'est un parti anti-système, c'est un parti avec même s'il essaie de se polir, il essaie d'être plus présentable, c'est un parti anti-système, c'est un parti qui repose quand même, grosso modo, sur la haine, le rejet de l'autre, et que si tu es de ce côté-là, tu es du mauvais côté. Donc, bon, et voilà.
Il y a à la fois un raisonnement qui parle de la ligne jaune et il y a aussi une expérience qui est que bon, tous les mecs qui sont un peu de gauche, qui ont un peu une culture politique, ils se feraient couper la tête avant de mettre de voter FN. Quoi. C'est vrai, ça c'est un argument à ta faveur, ça c'est juste, bien sûr, c'est juste, mais je maintiens quand même. Ah ouais, je maintiens quand même. Mais est-ce que tu vois mon point de vue ? Bah voilà. Donc c'est super, je pense que c'est super. Ce que tu dis, c'est vachement intéressant. C'est un peu choquant, un peu désolant pour moi, mais je l'entends, je le prends en considération. Et je le. Voilà, d'accord, ok. Mais voilà, j'ai un point de vue qui est un petit peu différent du tien. Enfin, en tout cas, qui dit il y a la ligne jaune, si tu veux, pour moi. Il y a la ligne jaune, et je pense que pour beaucoup de gens, il y a la ligne jaune, et c'est très clair. Bon, maintenant, c'est peut-être le problème du FM, justement, c'est que la ligne jaune, c'est un peu un truc d'élite. Alors qu'effectivement, quand t'es plus bas, quand t'as un peu moins d'éducation, quand t'es un peu plus dans la merde, t'es un peu plus malheureux, cette ligne jaune, elle est pas claire. Elle est pas claire et on s'en fout en fait des lignes jaunes. On veut juste avoir sa maison. On veut juste que ces gosses, ils se fassent pas taper quand ils vont à l'école. Et donc il y a une et ça rentre un peu dans le sujet. C'est-à-dire que comme il t'arrive des trucs pas bons, bah du coup, t'y vois pas clair. Et du coup, la ligne jaune, tu la franchis sans la voir. Donc tu vois, j'arrive à te phagocyter et à t'emmener dans mon argument. Même si je reconnais ton argument, enfin, je reconnais ce que tu dis, c'est très intéressant. Concluons. Faut donc pardonner. Oui, c'est ça. Et je disais, c'est pour ça que les gens votent FN, parce qu'ils comprennent pas. Ils disent non, faut pas pardonner, il faut punir. Et Louis est arrivé à dire, mais non. Bon, ok. Donc, on va juste dire, voilà, pardonner, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Et. On pourrait dire, c'est impossible à imposer. Ça ne pouvait pas imposer aux gens de pardonner. On ne pouvait pas imposer aux gens de pardonner. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont dit, au lendemain du 13 novembre, il ne faut pas bombarder. Si vous bombardez, vous amplifiez. Mais François Hollande ne peut pas dire, au lendemain, je veux dire, le 14 novembre, il ne peut pas dire. Ah, ces pauvres Arabes, humiliés, qu'on bombarde depuis longtemps, les accords Sykes-Picot, nous qui pompons le pétrole, qui soutenons des monarchies dictatoriales, qui vendons des armes. Genre, si François Hollande dit ça, le lendemain, il est destitué. Il est forcé de dire on va les niquer, ces enculés. Alors que probablement, il pense que c'est pas la bonne solution, mais il peut pas faire autrement. Je veux dire. C'est comme le 11 septembre aux États-Unis. Je veux dire, ils étaient forcés de bombarder quelqu'un, quoi. Non mais c'est vrai, vous ne pouvez pas rester sans rien faire. Donc ça qui est difficile. On ne peut pas imposer le pardon. Bon. Donc, il n'y a que le malheur qui rend méchant. On n'est méchant que parce qu'on est malheureux. Seulement parce qu'on est malheureux. Bien, ça c'est notre grand 1. On va dire pourtant, qu'en est-il de la cruauté ? La cruauté... elle se caractérise par deux choses qui toutes les deux contredisent notre thèse. Première chose, la cruauté, c'est totalement injustifié. C'est pas la vengeance, c'est pas la punition, c'est pas un soin médical qui fait mal pour guérir une maladie. Non, la cruauté, c'est gratuit. La cruauté, elle est toujours gratuite, elle est toujours en plus. Elle sert à rien. Donc, première caractéristique de la cruauté, elle est gratuite. Elle ne correspond à rien. Par exemple, à un mal que j'ai déjà subi et que je rends. À une injustice. Et deuxièmement, elle est exécutée. Parce qu'elle est mauvaise. Autrement dit, on ne fait pas le mal pour le mal. On ne fait pas la souffrance pour la souffrance, on s'en fout que l'autre souffre. On fait la souffrance parce que c'est mal, moralement. Autrement dit, le bourreau, c'est la personne cruelle. Elle ne va pas, par exemple, appuyer sur un bouton qui fait que la personne a mal aux dents. Et pense qu'elle a mal aux dents. Ça, c'est de la souffrance. Vous créez de la souffrance. La cruauté, ça ne consiste pas à créer de la souffrance. La cruauté, ça consiste à humilier
par la souffrance. La cruauté, ça ne consiste pas juste à créer de la souffrance. Ça n'a aucun intérêt de créer de la souffrance. Par exemple, faire que Kevin a mal aux dents. Est-ce que la cruauté est satisfaite? Non. La cruauté, c'est faire mal pour humilier à travers la souffrance, pour dominer à travers la souffrance, pour écraser à travers la souffrance. C'est ça la cruauté. Donc c'est le mal pour le mal. C'est pas la souffrance pour la souffrance, c'est le mal pour le mal. Autrement dit, celui qui est cruel, il est cruel parce que c'est mal moralement. Il fait souffrir parce que c'est mal moralement. C'est ça le plaisir de la cruauté. C'est aussi ce qu'on appelle la perversion. La perversion, hein, c'est faire le mal pour le mal. Ou même pire, faire le bien pour le mal. C'est ça les gens pervers. Faire le bien pour le mal. Par exemple, flatter quelqu'un pour mieux l'écraser. Vous avez déjà entendu parler des pervers narcissiques. Pervers narcissiques, ce seraient des personnages comme ça qui rentrent dans une relation avec quelqu'un d'autre, qui sont très gentils, qui flattent, qui mettent en valeur, et tout d'un coup, ils commencent à déprécier. Quand ils tiennent l'autre, ils commencent à déprécier, ils commencent à écraser, et finalement réduisent l'autre à rien, à déprime, au suicide. Pervers narcissique. Alors, n'est-on méchant que parce qu'on est malheureux? Non. Les gens heureux peuvent être méchants. Et par ailleurs, même si c'est le malheur qui rend méchant, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire, il ne faut pas agir sur la base de ce principe. Sinon, ça déresponsabilise les gens. Donc, les gens heureux font du mal. Et les pardonner, c'est les déresponsabiliser. Et le A, c'est le bonheur nuit aussi. Alors comment le bonheur nuit aussi? Alors on va parler de la cruauté et on va parler de la transgression. Bien, donc petit 1, premier temps, la cruauté. Alors la cruauté, c'est quoi? Plaisir du mal gratuit. Gratuit, c'est-à-dire sans cause. Gratuit, c'est-à-dire sans cause. Pourquoi est-ce qu'on fait le mal sans cause? Apparemment, encore une fois, la cruauté, ça contredit notre thèse, que tout le mal vient du malheur. C'est-à-dire que tout le mal a une cause homogène et indépendante de notre volonté. C'est ça la thèse du grand 1. C'est que le mal a une cause homogène, c'est-à-dire le malheur. Le mal et le malheur, c'est homogène. C'est le même truc, quoi. Encore une fois, j'ai parlé de relais, j'ai parlé de onde de choc. Hein. Typiquement, vous êtes un enfant battu et donc vous devenez un parent batteur. C'est l'onde de choc. C'est la même chose en fait qui se passe. Du point de vue passif, vous êtes battu, et du point de vue actif, vous devenez batteur. Donc, la thèse numéro 1, ça veut dire que le mal vient d'un malheur homogène et est causé par lui, de façon indépendante de la volonté. Or ici, on dit... La cruauté, c'est un mal, c'est une méchanceté sans cause, méchanceté gratuite. Donc ça contredit le grand 1. Comment expliquer cette méchanceté gratuite? En fait, on pourrait même se poser peut-être le problème du gratuit. Comment est-ce qu'il y a quelque chose de gratuit qui peut exister dans le monde? Si vous regardez le monde, rien n'est sans cause. Rien n'est sans cause. Tout dans le monde a une cause. Il n'y a pas un seul truc dans le monde qui n'a pas de cause. Par exemple, je ne sais pas moi, un éléphant rose qui apparaît dans la rue. Ou, je ne sais pas moi, la foudre dans un ciel bleu. Ou, je ne sais pas, une planète qui explose sans raison. Ça n'existe pas. Tout événement a une cause. Donc, quel que soit l'événement dont vous êtes témoin, sur Terre, dans l'espace, partout, dans l'avenir, dans le passé, vous pouvez identifier des événements qui sont passés avant et qui l'expliquent. Donc si tout a une cause, comment est-ce que quelque chose de gratuit peut arriver? Gratuit au sens de sans cause. Je reformule, hein, comment c'est possible que quelqu'un fasse le mal, comme ça, juste pour le plaisir, sans cause? C'est quoi l'événement? Ça a un nom. Un événement qui serait sans cause, aucune, ça a un nom. Ça s'appellerait comment? En général, c'est des événements positifs. Des miracles. Un point en plus pour toi.
Un miracle. David, un miracle, c'est un événement sans cause. Par exemple, un mec qui est sur une chaise roulante et Jésus dit lève-toi et le mec il se lève. Voilà, miracle. Sans cause. Moïse dit je veux passer et la mer se s'ouvre. Bon, miracle, sans cause. Vous pouvez ouvrir la mer en deux, mais ça va être très chiant. Il va falloir mettre des comment dire deux barrages énormes, ça va coûter extrêmement cher. Bon, Moïse, clac, comme ça, sans cause, ça s'ouvre en deux. Donc un acte gratuit sera l'équivalent d'un miracle. Or, jamais personne n'a été témoin d'un miracle. C'est des histoires, c'est des vieilles lunes, ces trucs-là. Donc comment est-ce qu'un truc gratuit sans cause peut être possible? Très bien. Première explication, une cause cachée. Par exemple, le paralytique, en fait, c'était un simulateur. Donc hein, vous allez voir le magicien d'Oz, qui fait venir un mec sur la scène, qui est en fauteuil roulant, et il dit « Lève-toi, le mec se lève. » Miracle. Non. Juste le mec, il est payé et ça fait partie du spectacle. Donc première explication, un truc gratuit, ça a une cause, mais cachée. Une cause cachée. C'est une cause qu'on ignore. C'est une cause introuvable, incompréhensible. Why not? Mais enfin, la cause, elle existe. Donc première explication. Ok. Donc la cruauté, ça serait une méchanceté créée par un malheur, mais distant. On n'arriverait pas à lier les deux. Par exemple, j'aurais un traumatisme infantile extrêmement caché qui ferait que plus tard je deviendrais cruel. Là, c'est grand 1. C'est grand 1. La méchanceté vient du malheur. Donc, première explication du miracle ou de l'acte gratuit, en fait, ça a une cause, mais elle est cachée, on ne la voit pas. Très bien. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer quand même un événement sans cause? Genre, pour de vrai, ça s'appellerait comment? Si un événement sans cause, c'est pas un miracle, mais c'est pas non plus une cause cachée, qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce qui reste? La volonté de la personne. Mais absolument, c'est très bien, c'est excellent. La liberté. Qu'est-ce qu'on appelle la liberté humaine, si ce n'est la capacité de décider un truc par soi-même, sans cause extérieure? C'est à partir du moment où vous dites, Angela, elle a fait ça parce que elle a mal digéré. Parce qu'elle a eu un traumatisme quand elle était petite. En fait, on nie ta liberté. C'est-à-dire qu'on dit que ce que tu as fait, en fait, tu l'as fait comme un caillou qui roule. Pourquoi le caillou roule? Parce que je l'ai poussé, connard. De même, pourquoi Angela, elle est méchante? Parce qu'on l'a battue quand elle est petite. Pourquoi Kevin n'y suit pas? Parce qu'il vient d'une famille. C'est pas sa faute. La liberté, Kevin. La liberté, c'est l'idée que l'être humain, il crée des événements sans cause. Au contraire des animaux, par exemple. Pourquoi le chien, il aboie? Parce qu'il a un ADN, il a un instinct qui fait que quand il voit un truc comme ça, il aboie. Pourquoi le taureau, il fond comme un con sur la muleta rouge? Parce que juste, on l'a piqué avec des hormones ou avec de la drogue. Hein, on les shoot, hein, parce que les mecs, ils sont pas cons, les taureaux. Ouais. Donc on les pique, et puis ensuite, on leur rend du rouge, et donc ils foncent. Bon, ils sont pas libres. L'être humain, s'il est libre, certains le disent, hein. L'être humain, c'est libre, ça veut dire qu'il peut faire des choses librement, c'est-à-dire sans cause, par lui-même. Exactement ce que dit Angela. Juste par la volonté, par la puissance de la volonté. Donc, quelque chose de gratuit. Ça pourrait être un miracle, merci Mathis, un miracle, c'est-à-dire un événement sans cause, soit qui viendrait d'un lieu inexplicable, ou même d'un hasard, ce qu'on pourrait appeler le hasard. Hasard ou providence. Et en fait, l'inverse. C'est quoi la providence? Qui a fait son catéchisme? Il y a un mot anglais qui est très proche de providence, c'est provide. Tu sais ce que ça veut dire, provide? Provide, ça veut dire fournir plutôt. C'est-à-dire, par exemple, les parents, ils provide pour les enfants. C'est-à-dire qu'ils pourvoient, exactement, pourvoient. Et donc la providence, c'est l'idée, alors bon, je ne suis pas spécialiste, hein, je pense qu'il y a d'autres façons de définir, mais c'est l'idée que Dieu pourvoit à tout. C'est-à-dire que Dieu, comme il est tout puissant, il a créé le monde, blablabla, il fait que tout ce dont tu as besoin, tu l'as. Ou pas d'ailleurs, ou pas, peut-être qu'il a des raisons cachées.
pour te punir ou pour t'apprendre à te donner des leçons, mais il va pourvoir. Donc la providence, c'est l'idée que par exemple, tu traverses la rue, il y a un énorme camion qui arrive parce que le mec il est bourré, parce que je sais pas quoi, il a son histoire, il va t'écraser, mais ton histoire ne doit pas s'arrêter là, parce que tu as encore des trucs à faire, et donc Dieu fait que boum, il fait que la providence, hop, le camion il dévie, alors qu'il ne devait pas dévier. Miracle, providence. Donc soit c'est le hasard, mais encore une fois, le hasard, ça n'existe pas vraiment dans le monde. Je veux dire, c'est l'idée qu'il y aura un événement qui se produit sans raison. Encore une fois, ça n'existe pas, en fait. Qu'est-ce qu'on appelle les jeux de hasard? Est-ce que les jeux de hasard, c'est vraiment du hasard? Pas du tout, pas du tout. Quand vous lancez un 2, quand vous lancez un dé, la face qui va tomber, c'est la face qui va découler des lois de la gravitation qui parlent. Quand tu lances un dé, la face qui va sortir, elle va sortir comme le résultat des lois de la gravitation et du frottement qui font que le dé... C'est l'idée que c'est une puissance extérieure au réel qui vient changer le réel. Et donc, tu ne peux pas trouver dans le réel des causes qui l'expliquent. Donc, voilà, tu as la mer qui s'ouvre, tu as le camion qui dévie sans raison, tu as le mec qui se met à marcher. On dit, mais comment c'est possible? En fait, ça vient de l'extérieur du réel, par exemple Dieu. Mais le hasard, c'est la même idée. Encore une fois, quand on parle de hasard, c'est pas du tout du hasard, c'est juste de l'ignorance. Ce que tu dis, Mathis, c'est-à-dire quand je lance le dé, comme je suis pas un crack, je suis pas une machine, j'arrive pas à prévoir sur quelle face il va tomber. Mais en réalité, si j'étais Terminator, et j'analyse comment le lancer, je sais quelle face va sortir, parce que j'ai qu'à calculer. T'es d'accord? T'as compris? De même, tu calcules. Sauf que t'es hyper lent, tu calcules où va arriver le feu. Vas-y, envoie. Voilà. Donc je calcule. Comme c'est un mouvement extrêmement simple, j'arrive à savoir où il va atterrir. Le dé, c'est un peu plus compliqué parce qu'il roule sur lui-même, mais c'est le même principe. Si j'arrivais à calculer très précisément, je saurais quelle phase va sortir. Autrement dit, si vraiment j'étais très fort, je saurais quels numéros vont sortir au loto. Parce que les boules, elles ne roulent pas dans n'importe quel sens. Il n'y a pas Dieu qui fait que les boules, elles roulent sans raison. Non, non. Elles roulent en fonction de la rotation de la sphère, etc. Puis le truc s'ouvre. Donc on peut prédire les boules qui vont sortir. Mais de toute façon, on ne peut pas prédire que C'est-à-dire que si tu savais comment sont les boules, comment elles sont placées, à quel moment le bouton va être appuyé, comment la sphère va tourner, tu pourrais savoir à l'avance quelle boule va sortir. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, tu peux prévoir le mouvement de ce feutre. D'accord? Si je le lance, il n'y a aucune façon que le stylo il parte à gauche. Il va suivre sa trajectoire. Imaginons qu'il y a un courant d'air. Il va légèrement se décaler. Mais tu peux le prévoir si tu as l'information. Autrement dit, par principe, je ne vais pas le lancer, Romain. Par principe, tu peux savoir très précisément où va atterrir le feutre. Tu mets une boule dans une sphère, il y a un courant d'air ou quoi que ce soit, tu peux prédire exactement où va aller la balle. Tu mets deux balles, tu peux exactement prédire où va aller chaque balle et quand est-ce qu'elles vont se rencontrer et tout. Tu mets trois balles, tu mets 50 balles, d'accord? Donc là, je sais pas si ça chauffe dans ton esprit, mais c'est toujours le même principe. C'est plus complexe, mais tu peux toujours le prévoir. Alors qu'est-ce qui fait que tu peux prévoir une boule mais pas deux? Prenons les choses autrement, parce que c'est intéressant. On apprend souvent plus avec les gens qui savent moins que nous, que ceux qui savent plus. Le principe du mouvement t'échappe. Le principe du mouvement t'échappe. Par exemple, chez Épicure, il y a quelque chose qui s'appelle le clinamen. Bon, je ne rentre pas dans la théorie, mais c'est quoi le clinamen pour Épicure? C'est le fait que quand tu lâches un atome, il va tomber, mais à un moment il va bouger et c'est imprévisible. Son mouvement, c'est imprévisible, c'est le hasard. C'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui, dans une certaine physique quantique avec le mouvement des particules qui serait imprévisible. Donc ça veut dire que prévoir le mouvement des particules, c'est impossible simplement parce que ce mouvement n'obéit à aucun principe fixe. Il y a un hasard objectif. Oui, tu me suis ? Deuxième possibilité, on est dans un univers qui est entièrement prévisible. Pourquoi il est entièrement prévisible? Parce qu'il obéit à des principes qui sont fixes. Par exemple, le principe de la gravitation. C'est le même pour tout, partout.
Tu peux reproduire 1000 fois une expérience, 1000 fois, il va se passer exactement la même chose. Maintenant, si tu es dans un univers complexe, c'est-à-dire que tu as plusieurs données, tu as le mouvement d'une sphère, tu as de l'air, tu as plusieurs boules, donc ça va complexifier la prévisibilité. Ça va devenir très très difficile, quasi impossible. C'est ton idée, c'est quasi impossible. Mais en principe, si on était Terminator et qu'on avait toute l'information, on pourrait parfaitement prédire. Alors, est-ce que tu saisis la différence entre les deux mondes ? Le monde où il y a un hasard objectif et donc c'est imprévisible, même Dieu ne pourrait pas prévoir. Et le monde où Dieu il peut tout à fait prévoir. Parce qu'il a tous les paramètres. Nous, nous avons beaucoup de mal, mais pas impossible qu'un jour on y arrive. Réponds-moi, est-ce que tu as compris cette différence ? Donc c'est bon. Donc c'est bon. Donc tu penses qu'il y a un hasard objectif dans le monde. C'est-à-dire que tu es d'accord avec Épicure, il y a un clinamen. Mais c'est pas, par contre, je prends les donc, revenons à nos moutons. Donc encore une fois, parler d'un acte gratuit, ça peut faire référence à trois visions du monde. Première vision du monde, une vision du monde où il se passe des choses sans cause. Soit hasard objectif, soit miracle, soit providence. Enfin, miracle, providence, c'est la même chose en fait. Deuxième possibilité, en fait il y a des causes, mais nous on les ignore. Par exemple, ah il y a un hasard dans le dé, non il n'y a pas un hasard dans le dé, juste ignore, tu ne sais pas calculer la phase du dé qui va sortir, donc tu dis que c'est du hasard. En fait c'est une cause cachée. Donc ça sera le grand 1, on n'en veut pas non plus. Donc on va parler de liberté. On va dire en petit 1, c'est quoi la cruauté ? La cruauté c'est l'épreuve de la liberté. Enfin, tout ça pour ça. J'aurais pu le dire dès le début, mais je pense que c'est pas complètement inutile de passer par là. Encore une fois, c'est des questions en fait, qui se posent dans tous les problèmes philosophiques. Vous avez ces questions du libre arbitre, vous avez ces questions de l'ordre du monde, du déterminisme. C'est-à-dire du fait que tout est déterminé par des causes. Donc, liberté humaine, c'est quoi la liberté humaine ? Ben, c'est la liberté, c'est la capacité de commencer une série d'événements à partir de rien. Ça, c'est la définition de Kant. La liberté, c'est la capacité de commencer une série d'événements à partir de rien. Alors, série d'événements qui ensuite va obéir à des lois, qui ne sera pas du tout miraculeux. Mais ma décision, elle vient d'où ? Elle vient de ma liberté. On ne peut pas dire « Ah, ça vient de mon enfance » ou « Ah, ça vient de ma digestion » ou « Ah, ça vient de mon ADN » ou « Ah, ça vient de ma culture » ou « Ah, ça vient de je ne sais pas quoi ». Non, c'est moi qui ai décidé. Pour ça, j'en suis responsable. Je peux avoir été battu par mes parents, mais quand je bats mes gosses, j'en suis responsable. Ah, il a été battu par ses parents. Oui, mais et alors ? Parce qu'à ce moment-là, on peut tous dire, bah, je fais ça parce qu'on verra dans le grand B. Pour l'instant. Donc la cruauté, au fond, c'est la preuve même de la liberté. C'est la preuve même de la liberté. C'est-à-dire, encore une fois, c'est un mal infligé gratuitement. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on est cruel ? En grand temps, on a dit bah, parce qu'on est malheureux. Là, on dit bah non, parce qu'on est libre. Mais ça ne résout pas vraiment la question. Pourquoi, étant libre, est-on cruel ? Pourquoi est-ce qu'on fait cet acte gratuit-là ? Parce que des actes gratuits, il y en a plein. Pourquoi est-ce que faire le mal, ça a du sens pour quelqu'un qui est libre ? Bon, je pose une question un peu idiote. La réponse est simple, ça fait plaisir. Mais donc, ça repousse la question. Pourquoi est-ce que ça fait plaisir de faire souffrir gratuitement ? J'en ai tous fait. Vous avez tous tiré la queue d'un chat, vous avez tous écrasé des fourmis volontairement, vous avez tous arraché, je sais pas moi, les ailes d'une mouche. Pardon ? Par curiosité. Alors pourquoi t'as pas ouvert ton livre de SVT au chapitre mouche ? Voilà, drosophile. Pourquoi t'as pas été sur Wikipédia et lu. Non, curiosité. En fait, la curiosité, c'est la curiosité de la souffrance, éventuellement. Pourquoi est-ce qu'on est curieux de la souffrance ? Pourquoi est-ce qu'on est curieux de la souffrance ? C'est vrai qu'on est curieux de la souffrance. Par exemple, quand quelqu'un s'est flingué, quand quelqu'un s'est suicidé, la seule chose qu'on veut tous savoir, c'est comment il a fait. Comment est-ce que concrètement il a fait ?
Comment ça s'est passé la mort pour lui? C'est quoi cette curiosité de la souffrance, c'est vrai? Pourquoi on n'a pas montré les images du massacre du 13 novembre? Ouais, puis après ils l'ont censuré. Pourquoi on ne les montre pas ces images? Pas choqué. Ouais, pas choqué, mais si on ne veut pas être choqué, ils ne les regardent pas. Bon, mais c'est peut-être pas une bonne idée de parler de ça, parce que non, moi je vais, comment dire, réfléchir au fait qu'on a envie de regarder, c'est-à-dire qu'il y a une sorte, il y a une curiosité. Et au fond, pourquoi on interdit? Parce qu'on sait que les gens ont envie de le voir. Il y a une sorte de volonté. Je veux dire, c'est tous ces journaux à sensation. Alors, il n'y en a pas trop en France. Il y en a beaucoup plus en Angleterre, par exemple. Mais le vrai détective ou le petit détective, comment ça s'appelle, ce journal où il est toujours question de parents qui bouffent leurs enfants, de trucs horribles, là, des photos en noir et blanc, des non. Vous connaissez cette presse-là, enfin une presse, voilà. Donc on est curieux de ces choses horribles. Et en même temps, on est choqué. Alors, pourquoi on est curieux de ces choses? Pourquoi on est curieux de la souffrance? Et je pense que c'est un peu la même chose avec la cruauté. Pourquoi ça nous fait plaisir? Alors, la cruauté, pourquoi faire le mal, ça fait plaisir? Alors, je verrai deux raisons. Première raison, c'est éprouver notre puissance. On éprouve notre puissance parce que... au fond, plus notre puissance elle atteint quelque chose de significatif, plus elle est réelle. Là, casser en deux un caillou, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Vous avez un gros marteau, vous cassez en deux cailloux. Un caillou. Vous faites un caillou, deux cailloux. Bon. C'est pas mal, mais c'est pas pareil que tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un, c'est plus significatif que casser un caillou. Et donc, finalement, si vous prenez un marteau et vous cassez la tête de quelqu'un, ça vous donne l'impression d'être beaucoup plus puissant que si vous cassez juste un caillou. Caillou, on s'en fout. Les cailloux, ils se cassent tous les jours. Ça n'a aucune incidence, ça n'a aucun impact, ça n'a aucune valeur. Donc, première raison pourquoi la cruauté est plaisante, parce que c'est l'épreuve de notre puissance. Bon, plus notre puissance s'exerce sur quelque chose d'important, plus elle est importante. Plus notre puissance s'exerce sur quelque chose d'important, plus elle est importante. Donc évidemment, la cruauté, c'est envers des êtres vivants. Et si c'est des humains, évidemment, c'est encore mieux. Vous torturez un chat, vous tuez un chat, c'est déjà pas mal. Enfin, c'est pas comme tuer un être humain. Deuxième raison, ça nous rend supérieurs aux autres. Je pense que c'est un petit peu différent. Ça nous rend supérieurs, ça nous rend maîtres. Mais au fond, la liberté, est-ce que c'est pas ça? La liberté, est-ce que c'est pas une recherche de puissance et une recherche de domination? Recherche de puissance en faisant les bons choix, ça c'est les animaux. Les animaux, ils sont libres, ils ont la capacité d'aller à droite, à gauche, ils ont un cerveau, ils ont la capacité de se déplacer, faire des choix. Ces choix vont leur servir à faire ce qu'ils veulent, à obtenir ce qu'ils veulent. C'est l'épreuve de leur puissance. Donc en un sens, les animaux pourraient être cruels. D'ailleurs, ils le sont parfois. Regardez le chat qui joue avec la souris. Et deuxièmement, ça nous permet de dominer. Et ça, c'est une liberté proprement humaine. La volonté de se sentir supérieur. L'être humain, c'est l'être qui veut se sentir supérieur à ses semblables. Et donc là, il n'y a pas de chat qui torture un autre chat. Ça n'existe pas. En revanche, les humains qui se torturent les autres humains, ça, il y en a plein. Hein, c'est ce que Rousseau appelle l'amour propre. Je crois qu'on l'a vu déjà, hein, l'opposition entre amour propre et amour de soi. L'amour de soi qui est animal, l'amour propre qui est humain et qui veut se sentir supérieur. Oui, oui. Ça, on va le dire en grand B. C'est très bien, très bonne idée. L'humain est mauvais. Bonne idée. Conclusion du petit 1. N'est-on méchant que parce qu'on est malheureux? Non. On peut être méchant pour éprouver notre puissance et notre supériorité sur les autres. C'est la cruauté. Non, c'est pas un manque de confiance, c'est que tout simplement, tout être utilise tout le pouvoir dont il dispose.
Thucydide, Spinoza, Nietzsche diraient tout être utilise toute la puissance qu'il a, en fait. Et donc, c'est pas que t'es malheureux ou c'est pas que tu manques de confiance. C'est juste que si tu peux utiliser ta puissance, tu vas l'utiliser. Pourquoi tu n'utilises pas toute ta puissance là actuellement? Ou du moins, pourquoi tu as une puissance inemployée? Pas parce que tu es moral, c'est pas parce que tu es fatigué, c'est pas parce que tu n'as pas envie. C'est parce que tu vas t'en prendre une. Ouais, tu sais très bien. Donc, si tu ne viens pas en cours, tu vas t'en prendre une. Si tu fais du mal aux autres, tu vas t'en prendre une. Et donc, ça fait que ta puissance, tu l'utilises jusqu'au moment où tu perçois que ça va te causer du tort. Mais si tu es face à un chat et qu'il n'y a personne, si je suis face à un gosse et qu'il n'y a personne et que je peux faire n'importe quoi, le gosse, je massacre, comme ça, pour plaisir. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que ça va me coûter, donc je ne le fais pas. C'est l'anneau de Gigès. On a parlé de l'anneau de Gigès. C'est Platon qui dit, on a l'impression qu'on respecte les autres par la morale, à cause de la morale, parce qu'on a des valeurs. Mais imaginons que Lucas, tu trouves un anneau par terre. Tu trouves un anneau magique. Un anneau, si tu le tournes, tu deviens invisible. Imagine, tu trouves cet anneau. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois, tu rigoles. Donc, tu connais la réponse. La réponse, c'est que tu vas faire tous les trucs dégueux que tu as envie de faire, mais que tu ne fais pas juste parce que tu as peur. Et donc, l'anneau, il est synonyme d'impunité. Si tu es invisible, tu ne seras pas puni. Donc, tu vas être un gros enculé avec cet anneau. Ouais, ça va te changer. Bon. La cruauté, ça vient du fait que ça te fait plaisir de faire du mal. Et toi, tu dis oui, mais c'est parce qu'on manque de confiance. Donc, tu dis au fond, c'est une sorte de malheur ou c'est une sorte de creux. Je ne crois pas que c'est un creux, je crois que c'est un plein. Certains ont pleinement envie d'éprouver toute la puissance que tu peux. Et si tu ne le fais pas constamment, c'est parce qu'il y a juste des obstacles. Or, cet anneau, ou voilà, d'autres des situations où il y a une impunité, on voit que tu vas utiliser ta puissance et que là, tu ne vas pas te priver. On va parler de l'arrogance, la suffisance, une certaine forme d'inconscience propre au bonheur. Au fond, les gens trop heureux, ils sont méchants. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas, ils sont pas conscients que les autres souffrent. Ils sont pas conscients de la souffrance. Ils sont pas eux-mêmes souffert. Par exemple, quand on fait du stop, qui est-ce qui s'arrête? Que les pauvres. Voilà, ça je vous l'ai déjà fait. Oui, évidemment, parce qu'ils ont eux-mêmes fait du stop. En général, quand vous rencontrez des gens qui ont souffert, ils savent ce que c'est, donc ils ne le font pas. Donc ça qu'on va dire. Donc petit 2, au fond, pour aller plus loin, on pourrait dire que le bonheur peut être cause de méchanceté. Pas seulement la liberté, mais le bonheur, c'est-à-dire le fait, au fond, d'avoir trop, d'avoir plus. Le bonheur peut causer la méchanceté. Comment est-ce qu'il peut causer la méchanceté? Par l'arrogance, la suffisance, la vanité, une forme d'égoïsme entretenu par le fait qu'on n'ait jamais été dans le besoin. Donc les gens autour de nous qui sont dans le besoin, c'est des étrangers. Un bonheur constant crée une séparation entre nous et les gens malheureux. Oui. Comment bah, t'es heureux et tu fais du mal pour le bonheur des autres. Comment est-ce que le mal peut faire le bonheur des autres? Enfin, ton exemple de Robin des Bois, c'est plus un exemple de justice. C'est plus la question de la justice. Robin des Bois, il fait pas le mal pour lui, en fait. C'est une autre, je crois que c'est une autre idée. Je veux pas dire qu'il y a que le bonheur qui fait le mal. J'ai juste non à la question, est-ce seulement parce qu'on est malheureux qu'on est méchant? Non, on peut être méchant parce qu'on est heureux. Et pourquoi est-ce qu'on est méchant en étant heureux? Bah, par ignorance, par suffisance, par vanité, par arrogance, par incompréhension du malheur des autres. Est-ce qu'on avait parlé du fait d'être méchant à distance? C'est ensemble qu'on avait vu ça? Le fait d'être méchant et d'être méchant parce qu'on fait des choses de façon très distante, on n'est pas directement responsable. L'idée que, au fond, les gens qui sont très riches, très heureux, à qui n'est déjà rien arrivé, ils peuvent être méchants
indirectement. Par exemple, en ne payant pas leurs impôts, genre quand vous ne payez pas vos impôts, apparemment, vous faites du mal à personne. Apparemment. En réalité, vous faites beaucoup de mal. D'abord, c'est les autres qui vont devoir payer pour vous, et puis il y a plein de choses qui ne seront pas financées. Quand vous consommez de la viande, vous contribuez au réchauffement climatique. Quand vous polluez avec votre voiture, etc. etc. Ça, c'est des méchancetés, pas des méchancetés directes, mais des méchancetés, on va dire, indirectes. Mais elles existent quand même. Parce que, en fait, le problème de ton exemple, Enki, c'est que Robin des Bois, on pourrait dire qu'il fait le mal. Il ne fait pas le mal, il fait le bien. Il fait le bien en volant. Mais il vole ceux qui ont volé, en un sens. Il vole les voleurs. Pourquoi est-ce que Robin des Bois est tellement connoté positivement? Pourquoi est-ce qu'on aime ce personnage? Parce que, bien évidemment, qu'il prend à ce compris. Parce que les nobles, c'est un peu ça. Font les nobles qui héritent, et qui héritent d'un système injuste. C'est pas eux qui l'ont créé. Mais est-ce que ça en fait pas quand même des méchants? À qui il est légitime de faire du mal s'ils font rien? Encore une fois, Robin des Bois, c'est vrai qu'on peut l'utiliser. Les gens à qui il prend de l'argent, c'est pas des pédophiles, c'est pas des violeurs, c'est pas des tueurs, c'est juste des gens avec beaucoup d'argent. Donc ils correspondent un peu à la définition qu'on a donnée de la personne trop heureuse qui en fait fait du mal, entre guillemets, sans s'en rendre compte, ou du moins parce qu'elle se soucie pas des autres. Donc là on pourrait le mettre. Au fond, Robin des Bois illustre ça en disant il fait un mal, c'est indéniable, puisqu'il enfreint la loi, il vole. Donc il fait du mal, mais ce n'est pas un mal méchant, c'est un mal juste envers des gens qui ont une forme de méchanceté indirecte. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun souci des autres et ils profitent d'un système qui est clairement injuste. Parce qu'une fois, ceux qui travaillent, ils n'ont rien. Et ceux qui branlent rien, ils ont tout. Alors, pas logique. C'est quand même pas logique. Donc ils profitent d'un système injuste. Exactement comme nous, on pourrait dire nous, c'est le cas. On bouffe de la viande, on consomme de l'essence, on a une civilisation ultra, ultra riche. Grâce à quoi? Grâce à un système. Est-ce que ce système est juste? C'est la digestion, c'est dur, hein, de rester éveillé quand on digère. Il y a des gens qui disent, au fond, on est exactement dans la situation des nobles de Robin des Bois. Et il y a des gens qui devraient venir nous prendre notre bourse, nous prendre nos banques, nous prendre tous nos millions, et aller rendre les millions à tous ceux à qui on les a pris. En l'occurrence, pendant 5 siècles de domination mondiale de l'Europe sur les pays colonisés. Pourquoi on est si riche? Pourquoi les autres sont si pauvres? C'est un peu la même chose. Cette idée que nous, aujourd'hui, les Occidentaux, les pays de l'OCDE, quoi, grosso modo, on est ultra riches parce qu'on a piqué le pognon à tous les gens du monde, quoi. C'est pour ça qu'il y a un tiers-monde qui est massif et qui est ultra pauvre. Au fond, il faudra un Robin des Bois qui nous pique notre blé et qui aille le donner aux pauvres. Attends. Donc il faut le buter, Robin des Bois. Ah, dans notre société. Mais dans sa société à lui, c'était possible. Ouais, le roi, il est noble. Ouais. Donc dans sa société, non mais attends, c'est pas con ce que tu dis, pas con du tout. Dans sa société, c'est possible, pourquoi? Parce que finalement, dans un monde autarcique, plutôt un monde autosuffisant. C'est-à-dire que grosso modo, on tire les fruits de la terre, et les fruits, il y en a 100, et donc, comment on les répartit ces fruits? Et au fond, comment on les répartit, ça n'a aucune incidence sur les revenus de l'an prochain. On récolte 100, quelle que soit la façon dont on distribue, l'an prochain, on récoltera 100, ou un peu moins ou un peu plus, en fonction de la météo. Donc ça marche. Si on donne 99 à un mec qui n'a rien branlé, et 1 partagé entre tous ceux qui ont bossé, c'est pas juste, et donc là, Robin des Bois, bravo, il prend les 99 ou les 98, et il les redistribue, donc ça c'est bien. Alors qu'aujourd'hui, toi ce que tu dis, c'est l'argument de droite, classique. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? L'argument de droite, Louis, qui dit, si aujourd'hui, dans un monde productiviste, un monde d'entreprise, un monde de productivité,
un monde où il y a au fond essentiellement où la richesse est la qualification. Si vous prenez l'argent à ceux qui dirigent les entreprises, très bien, vous prenez, vous redistribuez. Mais qu'est-ce qui va se passer l'an prochain ? L'an prochain, il n'y a plus d'entreprise, parce que les mecs, ils n'ont plus d'argent à investir. Donc il n'y a plus Google, il n'y a plus le mec qui se fait chier, qui bosse tout le temps pour embaucher des gens, donc c'est le chômage. Les pauvres, en plus, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le blé ? Ben, ils vont faire des cons, ils vont acheter 3 télés à écran plat, ils vont se bourrer la gueule, et puis l'an prochain, ils n'auront plus rien, ces connards de pauvres. Vous êtes d'accord ? Donc, non mais parce que c'est le pendant en général. Quand on dit qu'il faut laisser l'argent aux riches pour investir, en général, quand tu dis qu'il faut que tu le donnes aux pauvres, ils en font mauvais usage. C'est l'endroit et l'envers d'une même pièce en général. Je caricature un peu. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Effectivement, l'an prochain, les revenus de l'an prochain sont conditionnés par les investissements d'aujourd'hui. Ça, c'est une donnée économique un peu bête et méchante. Je crois que c'est Willy Brandt qui disait... Il disait les revenus d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Les revenus d'aujourd'hui. Donc ne taxez pas les entreprises, parce que les revenus qu'ont les entreprises aujourd'hui, demain, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont acheter des machines, elles vont acheter des brevets, elles vont se développer, elles vont investir. Et donc comme elles vont investir, elles vont avoir besoin de recruter après-demain. C'est un peu ce que tu dis. Donc il faut. Donc Romain Desbois aujourd'hui, il est. C'est Crocodile Dundee, quoi. Il est plus à sa place. Au fond, le salaire est complètement déconnecté des revenus. C'est-à-dire, tu as un prix de marché du salaire, tu as un prix de marché de la force de travail qui n'a rien à voir avec les revenus. C'est-à-dire que tu peux gagner des milliards si le SMIC est à 200 euros, le SMIC est à 200 euros. Tu ne vas pas l'augmenter parce que tes revenus augmentent. Bon, donc on est dans une situation comme ça. Et c'est imparable. Parce que si tu vas contre... Tu vas contre l'entreprise, donc tu vas contre ce qui crée la richesse, donc au fond, tu appauvris le pays. En redistribuant, tu appauvris. Ou plutôt, pour prendre une métaphore qui est vachement utilisée, en découpant autrement le gâteau, tu diminues la taille du gâteau. C'est en disant, le gâteau du PIB, ou le gâteau du revenu, du profit, au fond, on va dire... Qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire capital-travail. On va revenir à un bon vieux marxisme. Tu as une certaine distribution. Capital-travail. Si Romain Desbois arrive et il dit « Mais c'est pas normal, parce que toi, capitaliste, tu as juste investi, tu as du blé, tu as hérité. Pareil, tu as hérité, tu n'as rien branlé. » Alors que l'employé, le petit Romain, qui a son BTS, qui bosse 12 heures par jour et qui est payé au SMIC, c'est lui qui fait la richesse de l'entreprise. C'est lui la compétence. Pourquoi est-ce que lui, il n'aurait pas, au fond, ça, Romain ? Et toi, tu aurais ça, parce que tu n'as rien branlé. Donc Romain Desbois dit ça. Donc qu'est-ce qui va se passer l'an prochain ? Toi, comme tu n'as pas la compétence, quel chef d'entreprise ou quel capitaliste, de prévoir les achats qu'il faut faire, le réseau, le truc, le machin. Tu vas faire des mauvais choix. Donc l'entreprise, l'an prochain... elle aura un revenu inférieur. Donc au fond, l'an prochain, tu auras ça, mais au fond, au lieu que ça fait 100, ça fait 10, donc tu auras 80% de 10 au lieu d'avoir 20% de 100. Tu auras moins. Est-ce que c'est ça ton idée ? Il me semble que c'est ça ton idée, ce que tu dis. C'est qu'en en changeant la distribution du gâteau, tu diminues le gâteau. C'est ce que disent les libéraux. Les libéraux disent qu'il faut laisser le système comme ça, parce qu'aussi injuste soit-il, c'est ça qui fait que la société s'enrichit. Et donc que les gens qui sont les plus pauvres, ils s'enrichissent aussi. On pourrait faire une société plus égalitaire, mais le plus pauvre serait encore plus pauvre. Le riche serait moins riche, et du coup le plus pauvre aussi serait plus pauvre. Et donc, ce qu'on veut, c'est que le plus pauvre de la société soit le moins pauvre possible. Pour qu'il soit le moins pauvre possible, eh ben, il faut laisser les lois du marché jouer. Oui, donc ça, c'était le petit 2. Donc, vous avez noté ? Grosso modo, l'idée est hyper simple. C'est que quand vous êtes heureux, ben, vous vous souciez moins des autres. Voilà, vous vous souciez moins des autres. Et donc, vous avez tendance, peut-être pas à être méchant directement, mais à participer sans scrupule à un système injuste.
Donc quand vous êtes heureux, vous n'êtes pas forcément méchant directement, quoi que vous pouvez l'être à travers la cruauté. Mais vous n'êtes pas méchant directement, mais vous êtes plus incité à participer sans scrupule à un système injuste. Ah oui, il y a un truc dont finalement je n'ai pas parlé, du coup ça m'embête un peu, je vais vous le donner parce que c'est quand même un exemple assez rigolo et les correcteurs adorent ce genre d'exemple. C'est un livre de Gide qui s'appelle Les Caves du Vatican. Ça serait plutôt dans le petit 1. Les Caves du Vatican. Un gros PD. Il s'en est tapé, les petits Marocains. C'est vrai, hein? Bon. Enfin, un grand écrivain, quand même. D'ailleurs, il a fait son coming out dans un petit livre qui s'appelle Le Coridon. Le Coridon, c'est un petit livre qu'il a publié, je pense, en 1920. Alors qu'il était hyper connu, c'était une gloire. À l'époque, être PD, ça n'allait vraiment pas, hein, c'était vraiment pas cool à l'époque. Et bien, il a écrit ce petit livre, et tout le monde lui a dit, mais ne le publie pas, t'es con, tu tires une balle dans le pied, tout le monde va te détester, tu vas te faire cracher dessus, tu vas te faire... Et il a eu la courage de le publier quand même, Le Coridon. Et ça a fait scandale, ouais, ça a fait scandale. Ça c'est pour l'anecdote. Dans les caves du Vatican, il raconte quoi? Il raconte l'histoire de deux jeunes, qui sortent de la Sorbonne. À l'époque, la Sorbonne, c'est l'équivalent de Harvard. Aujourd'hui, la Sorbonne, c'est la pré-ANPE. Mais à l'époque, la Sorbonne, c'était bien de faire la Sorbonne, en fait. C'était l'élite. C'est l'équivalent d'HEC aujourd'hui, si vous voulez, la Sorbonne. Donc, c'est deux étudiants qui sont dans le train et qui discutent. C'est l'élite. C'est vraiment c'est même pas des bourgeois, quoi. C'est la très haute bourgeoisie. Ils sont dans le train et ils discutent. Et ils sont un peu désœuvrés, ils ont un peu tout, quoi. Ils sont heureux, parfaitement heureux. Ils sont bien habillés, ils sentent bon, ils sont beaux, ils ont la santé, ils ont l'avenir. Ils vont participer, bien sûr, à la direction du pays dans quelques années quand ils seront aux affaires. Ils s'ennuient un peu, ils ont tout, ils s'ennuient. Ils se disent, mais au fond, tout ça, ça nous a été donné. Ça nous a été donné, tout ça, c'est des causes extérieures à nous. Au fond, on n'y est pour rien dans tout ce bonheur, dans toute cette domination, dans toutes ces choses qu'on a. Est-ce qu'on est libre? Est-ce qu'on n'est pas des moutons? Vas-y, mais moi je crois qu'on peut le prouver. Moi je crois qu'on est libre. Et d'ailleurs, on peut le prouver en faisant un acte gratuit. Ouais, mais un acte gratuit impliquant, parce que si un acte gratuit consiste à dire merde, crotte, bite, ça compte pas. Si on tue quelqu'un, là ça rigole pas. Alors est-ce qu'on serait capable de tuer quelqu'un? Ou alors c'est pas possible? Vas-y, ballons-y. Donc ils vont dans le couloir du train, ils chopent un mec et ils le balancent sur la voie. Comme ça, pour se prouver à eux-mêmes qu'ils sont libres. Les caves du Vatican. Alors est-ce qu'ils sont vraiment libres, ces deux-là? Ces deux jeunes ont balancé un mec sur la voie et qui l'ont tué. Est-ce qu'ils sont libres? Ils ont fait un acte gratuit. Rien ne les poussait à, évidemment, faire cet acte, à complètement absurde. Est-ce que ça fait d'eux des gens libres? Ou est-ce que ça prouve qu'ils le sont? Ça prouve qu'ils le sont. Voilà. Donc ça sera dans le petit 1, ça. Les caves du Vatican. Ok? Bien. Ok. Donc, conclusion du grand A. Le bonheur nuit aussi. Soit par cruauté, pour se prouver sa liberté. Enfin, oui, ça vient de la liberté, quoi. C'est... Voilà. Soit par la liberté du bonheur, soit par l'excès du bonheur, en quelque sorte. Donc on n'est pas méchant que parce qu'on est malheureux. Donc une étoile, grand B. Faire de la méchanceté une conséquence du malheur, c'est déresponsabiliser l'être humain. Dire, c'est pas de ta faute. C'est tes parents, c'est ton passé, c'est ton ADN, c'est ta colère. C'est plein de choses qui ne dépendent pas de toi.
Donc petit 1, il faut tuer celui qui a tué. Ça c'est Kant qui l'a dit. Si vous ne tuez pas celui qui a tué, vous lui manquez de respect. Pourquoi ? Pourquoi ne pas tuer celui qui a tué, c'est lui manquer de respect ? Par exemple, si quelqu'un tue une personne et qu'on ouvre, on ne la tue pas. Tu me fais pitié. Tu me fais pitié, ouais. Alors je vais vous dire ce que dit Kant, parce que peut-être je suis tellement conditionné par ce que j'ai appris que je me rends plus compte que c'est pas du tout évident. Mais qu'est-ce que dit Kant ? Kant dit, si quelqu'un a tué, c'est un être humain, donc il est libre, il est responsable de ses actes, et donc s'il tue, il faut le prendre au sérieux et il faut le tuer. Si vous ne le tuez pas, ce que vous dites c'est correct, vous le traitez comme un inférieur, comme un faible, vous le traitez comme, qu'est-ce que tu dis ? Oui, il fait pitié, ou toi Louis tu dis, qu'est-ce que t'as dit toi ? Oui, c'est ça. On est plus fort que lui. Kant dit, c'est le traiter comme un non-humain, c'est le traiter comme un animal ou comme un objet. Il n'est pas responsable de ce qu'il a fait. Comme un loup, si vous voulez. Le loup ou même le chien. Regardez les chiens. Quoique les chiens, souvent, on les pique, mais on ne les pique pas pour les punir. On pique pour les empêcher de nuire. Le loup qui mange trois brebis, même qui mange un gosse, le loup, on ne va pas le mettre en prison. On ne peut pas lui faire un procès. Le loup, il bouffe un gosse parce qu'il est programmé comme ça. Ce n'est pas de sa faute. Donc, l'être humain, si vous minorez sa faute, en disant « Ah, il ne s'est pas rendu compte, ah, il est traumatisé par ses parents, ah, il est colérique, je ne sais pas quoi », vous le traitez comme un animal, vous le traitez comme un inférieur, un non-humain. Oui, c'est ça, oui. Mais tu vois, ce serait bien que tu développes, parce que dans ta copie de bac, tu vois, il va falloir faire un paragraphe avec ça. Il va falloir que tu donnes des exemples, il va falloir que tu étoffes, tu vois, pour que ton correcteur dise, ah, il a bien pigé l'idée. Tu vois, si juste tu dis, il le traite en inférieur, ils vont mettre, tu vois, c'est dommage. Tu vois, il faut vraiment développer ton idée. Il faut en faire un paragraphe. Donc vous avez noté ? Pour Kant, il faut tuer celui qui a tué, pour respecter son acte libre. Et c'est quoi son acte libre ? C'est l'acte qui consiste à contredire la morale, à contredire la morale. Contredire l'universalité de la morale. Et quand il l'a fait, il le savait. Et du coup, il savait en tuant qu'il méritait la mort. Il savait en tuant qu'il méritait la mort. Et donc, si vous le chopez et vous ne le tuez pas, le mec dit, mais... ça va. Soit vous êtes vraiment des ploucs, soit ouais, vous ne me traitez pas comme un être humain. Quand le juge donne l'ordre au bureau de couper la tête du mec, c'est pas le mec qui coupe la tête qui tue, c'est le juge. D'accord. De même, si toi, tu as ton voisin qui te fait chier, tu donnes 2000 euros à un Serbe pour qu'il le bute, c'est pas le Serbe qui le bute, c'est toi. C'est toi qui vas l'entôle. En Serbe aussi, un petit peu. Mais c'est surtout toi qui vas l'entôle, alors que tu n'as rien fait. Donc, c'est le juge qui tue, c'est pas le bourreau. D'accord ? Mais le juge, il tue pas. Le juge, il applique la loi. Donc, c'est la loi qui tue. C'est pas le juge, ni le bourreau. Si, la loi qui dit... tu dois faire ce que tout le monde peut faire, en même temps sans contradiction. Ça, c'est la loi morale. Tu dois faire ce que tout le monde peut faire en même temps sans contradiction. Si toi, tu fais un truc que tout le monde ne peut pas faire en même temps, c'est que tu profites du système. Par exemple, tu joues aux cartes et tu triches. Tout le monde ne peut pas tricher, parce que si tout le monde triche, il n'y a plus de jeu de cartes. Il n'y a plus de jeu de cartes. Ça ne sert plus à rien de tricher. Donc, c'est pas possible de tricher à un jeu où tout le monde triche. C'est possible de tricher parce que tout le monde respecte la règle. De même, voler de l'argent, c'est possible parce que tout le monde respecte la propriété. Imagine, tout le monde se met à voler. Tu ne peux plus voler. Si tu tues, tu peux tuer que dans une société où personne ne tue. Donc la loi qui fait que tu dois mourir, c'est la loi qui dit quand tu es dans une société, tu dois faire ce que tout le monde peut faire en même temps, sans contradiction.
Et si tu contredis cette loi, tu le sais, dit Kant, tu le sais. Quand tu tues quelqu'un, tous les gens qui tuent, ils savent très bien ce qu'ils font. Et ils savent qu'ils méritent la mort. Donc si tu les chopes et tu leur dis, bah mon pote, t'es condamné à mort, le mec va dire, non ! Non ! Il va essayer de s'enfuir. Il va te traiter d'enculé. Mais il le sait très bien qu'il mérite la mort. Et donc Kant dit, tu dois le tuer. Voilà. Et c'est pas toi qui le tue, c'est la loi. C'est pas toi le bourreau. C'est pas toi le juge. C'est la loi. Et la loi, on va pas la tuer, puisqu'elle est vraie. Bon, donc c'est ça qu'on dit en petit 1. C'est qu'il faut tuer celui qui a tué. Il faut punir. Il faut supposer que les êtres humains sont libres, et totalement libres. Totalement libres. Oui, tu t'es fait battre, oui, t'es colérique, oui, mais on a tous des problèmes. Hein. Je veux dire, chacun sa merde. Non, mais c'est vrai, on a tous des problèmes. On a tous une enfance malheureuse, je veux dire, plus ou moins. On a tous vécu des trucs. La dignité de l'être humain, dit Kant, c'est d'avoir conscience de la loi morale. Et vous avez conscience de la morale, quoi qu'il vous arrive. Vous pouvez être violé pendant 3 ans dans une cave par 2 énormes mecs qui vous séquestrent. Vous avez toujours la loi morale. Vous êtes toujours conscient de la loi morale. Non, mais vous pouvez être traumatisé. Vous pouvez être très, très malheureux. Vous avez conscience de la loi morale. Sinon, vous êtes un animal. Est-ce seulement parce qu'on est malheureux qu'on est méchant ? On va dire, on est méchant que parce qu'on est libre. C'est pour ça qu'il y a des gens malheureux qui sont méchants, des gens heureux qui sont méchants, il y a des gens de partout qui sont méchants. Parce qu'au fond, vous n'êtes méchant que parce que vous êtes libre. Pourquoi on ne dit pas qu'un loup est méchant ? À part les gosses, ah, il est méchant, mais ils disent pareil, ah, la table, elle est méchante, méchante table. Pourquoi on ne dit pas que le loup, il est méchant ? Parce que le loup, il n'est pas méchant. Il n'a pas voulu faire le mal en sachant que c'était mal, en connaissant la loi morale. Le loup, il ne connaît pas la loi morale. Il a juste faim, il voit une brebis, il la bouffe. Il serait bien con de ne pas le faire. Lui aussi, il va jusqu'au bout de sa puissance. Le loup, il n'est pas méchant. Le loup, il est nuisible. Ce n'est pas du tout pareil. Les êtres humains ne sont pas nuisibles. Les êtres humains sont méchants. Hitler, ce n'est pas un nuisible. Il n'est pas, c'est pas un nuisible. C'est un méchant. D'accord ? Donc, vous avez noté, le loup, il n'est pas méchant, il est nuisible. De même, la pluie, éventuellement, c'est nuisible. Un tremblement de terre, c'est nuisible, mais ce n'est pas méchant. Il n'y a que l'être humain qui est méchant. Pourquoi il est méchant ? Parce qu'il fait le mal en le sachant. Il fait le mal en le sachant. Donc, est-on méchant que parce qu'on est malheureux ? Non, on est méchant parce qu'on est libre. Qu'on soit malheureux, heureux, rien du tout, peu importe. À partir du moment où on est humain, humain au sens de conscience humaine, quoi. Bien sûr que si vous êtes drogué, bien sûr que si vous êtes lobotomisé, bien sûr que si vous êtes dans des états où vous n'avez pas votre conscience, ça ne fonctionne pas. Mais, soyons clairs, ça n'arrive jamais. Toute votre vie, vous savez ce que vous faites. À partir de ce qu'on appelle l'âge de raison, quoi. Pas 7-8 ans. 7-8 ans, voilà. Il faut avoir des faiblesses. Bon, il faut un peu. Il faut que jeunesse se passe. Donc on fait quelques conneries quand on est jeune. Bon, on va essayer de limiter les conneries et de faire que ce soit pas trop grave. Mais grosso modo, à l'âge de la maturité, je sais pas, 20, 25 ans, voilà, vous savez très bien ce que vous faites. Et donc, si vous êtes méchant, c'est parce que vous êtes libre. Sinon, on dirait que vous êtes nuisible et que vous êtes pas libre. Bon, voilà. Oui ? Dès l'instant où vous êtes humain, c'est-à-dire grosso modo un humain responsable, quoi, un humain adulte, si tu veux, tu sais le bien et le mal, tu es libre. Donc, tu es responsable de ce que tu fais. Mais encore une fois, même si t'es arrivé des horribles trucs, Kant, il est assez fort là-dessus, il dit, même si t'arrives des trucs horribles, t'as vécu la guerre, t'as été martyrisé, t'as été arrivé plein de trucs horribles, mais t'as quand même la dignité d'un être humain, Michael. Et donc, si tu fais du mal, on va t'en vouloir pareil. On va pas dire, oh le pauvre. Non, t'es un être humain, avec 100% de 100% pur humain. T'as 100% pur bœuf, toi t'es 100% pur humain. Quoi qu'il te soit arrivé, à partir du moment où tu as la conscience, tu as l'humanité, tu as la liberté, tu as la dignité d'un être humain. Et donc tu dois être traité comme tel. Ok. Donc ça, c'est le petit 1. Sauter le petit 2, et donc on va dire l'homme est mauvais. Qu'est-ce qu'il disait ça ? Camille. L'être humain est mauvais. On n'a pas
fait cette supposition. On a plutôt dit depuis le début, l'être humain est bon. Et donc, grand 1, s'il est mauvais, c'est parce qu'il est malheureux. Grand 2, non, il n'est pas mauvais, il est libre, en fait, il n'est rien. Et c'est cette liberté qui lui fait faire le mal. On n'a jamais émis l'hypothèse qu'il puisse être mauvais au départ. Et donc ça, c'est vrai que c'est un manque. Et là, je pense qu'on peut le placer. On dit, et si l'être humain était mauvais ? Et ça s'inscrit dans ce qu'on dit. Même si l'être humain est mauvais, ça peut être intéressant de le culpabiliser. Ça peut être intéressant de culpabiliser. C'est un, au fond, en culpabilisant l'être humain, vous pouvez faire qu'un être mauvais devient bon par hypocrisie. Par hypocrisie. Et ça, ça va plaire à Romain. Romain, le mec de droite, qui dit « faut laisser faire les choses, c'est en laissant faire les choses qu'on a le meilleur résultat. » Est-ce que vous connaissez la fable des abeilles ? Mandeville, c'est un écrivain anglais du 18e siècle, 17e, à cheval, enfin dans ces eaux-là, quoi, il y a 300 ans. Il a écrit un livre en disant... Enfin, c'est tout un, en fait, c'est toute une tendance de la philosophie morale qui dit nous sommes méchants, mais il y a un moyen de rendre cette méchanceté profitable. En fait, c'est la méchanceté qui est profitable. Regardez le Christ. Imagine, toi l'entrepreneur, ton marché, c'est le Christ. Ton marché, c'est des Christ. Ouais, c'est une société de Christ. Et les mecs, c'est tous des Christ. Christ 1, Christ 2, Christ 3. Est-ce que tu crois que tu vas vendre beaucoup d'iPhone 6 Plus au Christ ? Non, le Christ, il a besoin de rien. Au contraire, imagine, tu as une société de Strauss-Kahn. Voilà. Alors là, tu vas en vendre un paquet d'iPhone 6 Plus. À Strauss-Kahn, tu vas vendre quoi ? Tu vas vendre des téléphones, tu vas vendre des capotes, tu vas vendre des chambres d'hôtel, tu vas vendre des costumes à 10 000 balles, tu vas vendre des bagnoles, tu vas vendre des jets, tu vas vendre... Tu te rends compte ce que tu vas vendre à Strauss-Kahn ? Tu vas être hyper riche. C'est ce que dit Mandeville. Mandeville dit, le vicelard, c'est un vicelard, pas bien ce qu'il fait, mais le vicelard, pour satisfaire ses pulsions de gros porc... Suivez-moi. Il va dépenser du blé. Il a besoin de beaux costumes, il a besoin de voyages, il a besoin de grands appartements, il a besoin de chaussures, il a besoin de voitures, il a besoin de tous ces trucs-là pour satisfaire ses pulsions. Si c'est le Christ, le mec il dit « Ah, moi je fais le bien, j'ai besoin de rien, je me passe de tout. » Elle est où ta richesse ? Elle n'existe pas. T'es un mec avec un pain, quoi. Puis tu finis en croix. Pas terrible. Alors, c'est Dieu. Bravo. Nickel, moi je préfère Strauss-Kahn. Hein. Non mais tu vois ce que je veux dire ? Mandeville, la fable des abeilles. Il dit, le vicieux, c'est lui qui fait tourner la société. C'est le mec qui veut faire le mal, qui fait que il a besoin d'un couturier, il a besoin d'un chauffeur, il a besoin d'un... Bon, et c'est lui qui fait tourner la société. Si on était une société de gens bien, on n'aurait pas de besoin. Alors ça, on ne ferait pas de tour un coup d'ozone, hein. Ça ne se réchaufferait pas la planète. Hein. Mais il n'y aurait pas de marché, si on était des gens bien. C'est nos vices. Vices privés, vertu publique. Et on pourrait aller même plus loin. Pourquoi est-ce qu'on paraît vertueux ? Pourquoi est-ce qu'on veut être on va avoir l'air de chic type ? Pour avoir bonne réputation. Rien que Strauss-Kahn. Tu crois que Strauss-Kahn, il serait arrivé à la tête du FMI si on avait su que c'est un gros porc ? Jamais. Il a été à la tête du FMI parce que le mec, il dit « Oui, moi je suis pas intelligent, j'ai plein de diplômes, je suis quelqu'un de respectable, etc. » Et donc, il a joué la vertu parce que ça profite à son vice. Donc on est vertueux par vice. C'est là où je veux en venir. Donc, alors, vous avez plusieurs façons d'avoir ça. Plusieurs façons d'avoir ça. Première façon d'avoir ça, c'est les lois du marché. C'est-à-dire finalement, si tu apparais vicieux, tu vas faire faillite. Tu ne vas pas être président du FMI. Tu ne vas pas être un bon boulanger. Les gens ne vont plus venir chez toi parce qu'ils pensent que tu es un gros porc ou parce qu'ils pensent que tu es malhonnête. Donc ils ne vont plus venir chez toi, tu vas faire faillite. Donc c'est ton intérêt. C'est-à-dire, c'est un exemple que prend Kant, l'exemple du boulanger. C'est ton intérêt d'être honnête. Ça va satisfaire ton vice d'être honnête. Pourquoi ? Parce que comme tu es honnête, tu es souriant. Tu fais du bon pain tous les matins, Angela.
Tu rends la monnaie exacte, même aux petits vieux qui ne voient rien, même aux petits jeunes qui ne savent pas calculer, tu rends la monnaie exacte. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que les gens viennent chez toi, c'est comme ça que tu as une bonne réputation, c'est comme ça que tu vas faire fortune et que tu vas pouvoir enfin aller aux putes. Strauss-Kahn, il est arrivé au sommet du monde, comme ça. Le président du FMI, je veux dire. C'est un des, je veux dire, il est en top, je sais pas, le top 10 quoi, des gens les plus importants du monde. Je prends cette histoire parce qu'elle est quand même, elle est quand même spectaculaire. Ce mec qui est au sommet et qui, en 24 heures, il est en enfer. En enfer. Je veux dire, c'est pas très fréquent quand même. En général, les mecs, ils déclinent, quoi. Non, mais je veux dire, tu vois, il s'efface progressivement de la scène. Des chutes comme ça, c'est... Bon, c'est, à mon avis, il y aura une série sur ce mec-là. Une série en 5, 6, 7 saisons. Donc, l'humain est mauvais, mais au fond, il y a deux façons de le rendre bon. Deux façons de le rendre bon. Première façon, les lois du marché, entre guillemets, les lois du marché. Les lois de la société. Qui fait qu'on a intérêt à sembler vertueux. On va sembler, on ne dit pas vertueux aujourd'hui, on semble honnête. On a intérêt à sembler honnête. Et on a intérêt à être honnête, à être hypocrite. À faire des choses qui paraissent honnêtes. C'est la première, première chose. Deuxième chose, la culpabilité, le sentiment de culpabilité. Ça, c'est par l'éducation. Ce n'est pas les lois du marché, c'est l'éducation. Donc l'éducation, elle consiste à dire « tu es mauvais, tu es mauvais, tu as péché, tu dois payer, tu n'es pas bon, tu n'es pas à la hauteur ». Et c'est ce que font tous les parents avec tous les enfants du monde. C'est ça la base de l'éducation. C'est faire sentir à l'enfant que c'est une merde. Alors, plus ou moins, bien sûr, grosso modo, les bons parents, ils essaient de te dire « t'es une merde, mais t'es une très très jolie merde et tu vas réussir ta vie ». Et les mauvais parents, ils disent « t'es une merde et tu seras éboueur ». Vous voyez ce que je veux dire. L'éducation, ça consiste à faire comprendre à l'enfant qu'il faut qu'il s'améliore. Donc, il n'est pas bon. Ça, c'est la base. C'est ce que Freud appelle le surmoi. On a déjà parlé du surmoi. Freud, il dit, à l'intérieur de vous, il y a trois trucs. Rappelez-vous, le ça, c'est les pulsions, c'est Strauss-Kahn. Vous avez un petit Strauss-Kahn en vous. Vous avez le moi, c'est vous, c'est ce que vous appelez moi, c'est votre conscience. Et vous avez le surmoi, c'est le Christ. Ou c'est Gandhi, ou c'est Bill Gates. Enfin, c'est la personne que vous aimeriez être. Bill Gates. C'est vrai qu'il est un peu passé de mode, lui aussi. Il est toujours là, mais il fait dans le caritatif maintenant. Avant, c'était le président de Microsoft. Donc l'homme le plus riche du monde. C'est vrai ? Pourquoi je parle de ça ? Oui. Et donc, la culpabilité, c'est le surmoi. C'est le fait, par l'éducation, d'imposer ou de créer chez les individus ce que Freud appelle un surmoi. Un surmoi. C'est un idéal du moi. C'est au fond une instance critique. On est autocritique envers nous-mêmes, tout le temps. À chaque seconde de la journée, on est autocritique envers nous-mêmes. On a peur de mal faire. Dès que quelqu'un nous regarde un peu bizarrement, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai mal fait ? Alors on se reprend, on dit, mais non, c'est lui qui est une merde, pour qui se prend ? Mais la culpabilité. La culpabilité, ça fait que on essaie de correspondre, du moins extérieurement, à un idéal. À l'idéal social, en fait, pour le dire vite. À l'idéal social. C'est pour ça qu'on s'habille bien, qu'on fait attention, on pète pas, on rate pas, on chie pas partout. Donc, est-ce que c'est parce qu'on est malheureux qu'on est méchant ? Non, on est méchant naturellement. Et comment se fait-il qu'on ne soit pas tous des Strauss-Kahn ? Ou plutôt, on est tous des Strauss-Kahn, mais pourquoi on n'est pas tous en tôle ? Parce qu'on fait plus gaffe que lui. Non, j'exagère. Parce qu'on on fait plus gaffe, soit on ne fait pas ce qu'il fait, non pas qu'on n'ait pas envie, mais que les lois du marché, entre guillemets, les lois sociales, ou les lois psychologiques, nous en empêche. Ça peut quand même arriver à tout le monde,
Ça peut arriver à tout le monde, oui, ça peut arriver à tout le monde, mais c'est vrai qu'on essaie d'avoir une vie où on ne va pas si loin, quoi. Et où, à la fois, les lois sociales et les lois psychologiques font que, bah, on essaie de prendre des chemins un peu plus honorables, qui sont d'ailleurs assez satisfaisants, hein. C'est ce que dit Freud, hein. C'est la sublimation. C'est le fait de reporter votre énergie pulsionnelle sur des buts sociaux. Donc, tu, réussir dans un boulot, réussir dans une carrière, réussir une œuvre d'art, etc. Alors, qu'est-ce que Freud penserait du cas Strauss-Kahn ? C'est intéressant. Malheureusement, il n'est plus là pour juger. Mais il y a plein de bouquins qui sont sortis sur Strauss-Kahn, et à mon avis, mais il y a un film avec Depardieu, de Abel Ferrara, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas ce que ça vaut. Depardieu dans le rôle de Strauss-Kahn, c'est pas mal. Pas mal vu. Pas mal vu. Bon, conclusion. Est-on méchant seulement parce qu'on est malheureux ? Non. 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 On a vu que non. Ah non, mais la conclusion, elle doit être simple, hein, l'essentiel, il est fait. Hein. Donc, est-ce qu'on est méchant seulement parce qu'on est malheureux ? Non. On peut être méchant quand on est heureux, on l'a vu. On peut être aussi méchant quand on est malheureux parce qu'on est libre. Et même, on pourrait être pessimiste et dire qu'en fait, on est méchant. Et du coup, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas méchant ? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas que méchant ? Et ça, un certain nombre de gens répondent à cette question. Par exemple, Freud, avec le surmoi, ou Mandeville, avec les lois sociales.